tu es un sorcier, Harry. Trois, deux, un, c'est bon, je suis à l'heure, tout va bien. Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue sur le stream 9 3 quarts du dimanche soir. Ça commence par un bégaiement des familles. Salut Stella 4, salut Océane, salut Sévi, salut Arassi, salut Smara, salut Marion, salut Modosor, salut Sissi, merci pour ton premier message. Fjordmom, bon après-midi, 15h33 au Québec, quelle heure chez vous? Il est 20h30, le rendez-vous du 20h30. Du coup, Fjordmom, je ne sais pas s'il y a clé-clé dans le chat ce soir, mais je sais que tu n'es pas le seul ou la seule spec du Québec sur ce stream 9 3 quarts. Il y a des Québécois. Salut, salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que ça marche bien? Ouais, ça a l'air de marcher à peu près. Je vais baisser un petit peu la musique. On va la garder, on va la garder, ça fait une petite ambiance. Hop, hop, je vais la baisser un chouïa. Voilà, j'espère que tout le monde a passé un bon petit week-end. Merci, Tata, qui a suivi? Qui a suivi? Ah non, c'est carrément Zevi. Merci pour ton Prime Zevi. Ça, il est impossible à dire ton pseudo. Et puis merci bah, à Fjordmom hein, pour le follow. Merci à Lisa aussi. Il y a 20 minutes pour le follow. Merci. C'est cool de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Salut petite Clara. Salut tout le monde. La pêche et toi? Bah ouais, la pêche. Fin de week-end. Hein, mais d'attaque pour la semaine qui arrive. Normalement, le délire des vacances au scolaire et tout, si j'ai bien compris, normalement c'est terminé. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont encore la chance d'être en vacances, mais normalement, c'est tout le monde doit être actif. Salut, hello.
Mais ouais, au niveau du podcast, vous avez eu la sortie du chapitre 20, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous êtes à jour dans le podcast, mais voilà, le chapitre 20 est sorti pour tout le monde hier. Voilà, et sur Patreon, pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, vous avez eu l'after show sur le casting des films Harry Potter qu'on a partagé avec Justine. J'espère, je dis tout ça de tête, j'espère que je ne me trompe pas, mais au niveau des dates, ça doit être ça. Super épisode, bah merci, Inny. Ouais, Inny, toi, t'es. Je sais que l'épisode sort à 9h. Je pense que à 11h30, grand max, t'as terminé l'épisode. C'est cool, ça fait trop plaisir ce genre de fidélité. Pas à jour, j'attends le lundi matin pour bien débuter la semaine. C'est vrai qu'on voit sur nos statistiques, sur nos audiences, on a toujours un petit pic le lundi matin. Mais normal, c'est le petit podcast pour se motiver pour aller en cours ou au travail. C'est normal, on fait pareil. Pour une fois, je l'ai écouté en avance l'épisode Barrett et sur Patreon, c'est pour ça, Inny. Salut Zwinfi, vous m'occupez pendant le train. Bah cool. J'ai écouté deux fois. Tu connais mieux que moi alors. Normalement, on enregistre le chapitre 21 mercredi. On devait enregistrer ça ce week-end. On a eu un contretemps, c'était pas possible. Mais voilà, si tout va bien, on l'enregistre mercredi. C'est pour ça que sur Patreon, je suis pas sûr à 100% que l'épisode sera disponible le samedi matin, vraiment une semaine à l'avance, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de proposer au Patreon vraiment les épisodes une semaine à l'avance, mais c'est pas toujours possible. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, publiquement, ça changera rien. Chapitre 21 sortira dans 15 jours. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui sont sur Patreon, est-ce que vous avez écouté l'after show? Pour l'instant, j'ai la chance de les enchaîner. Je suis à l'épisode 7. Du coup, c'est un épisode 7 de la Coupe de Feu, j'imagine. Mais c'est bien, hein, franchement, si vous n'êtes pas à jour, c'est tant mieux pour vous. Parce que une fois que vous êtes à jour, effectivement, on sait que l'attente peut être un peu long. On sort Vous un venez de épisode, gagner un un mois samedi de sur deux. répit, McLagan. Merci, Shakesdin. C'est pas McLagan, c'est Shakesdin. Merci pour ton Prime. Merci beaucoup de lâcher ton Prime ici. C'est ton quatrième mois. Déjà, Jacqueline, merci beaucoup. Oui, After, écoutez aussi. L'After, ouais, on a prolongé la discussion sur le casting des films Harry Potter. Notamment parce que notre invitée Justine voulait nous raconter une petite anecdote qu'on gardera secret, mais qui était assez sympa. Une anecdote sur comment elle a rencontré un des acteurs d'Harry Potter. Pas n'importe lequel. Et voilà, et du coup, on a prolongé. Notre discussion sur voilà, c'est quoi nos acteurs, actrices préférés avec les membres du Patreon aussi, on leur avait demandé leurs commentaires. Et puis c'était aussi une façon de, bah voilà, de prolonger la discussion sur la future série parce que il y a beaucoup de rumeurs ou en tout cas de partage de casting idéal pour la future série et tout. Donc voilà, on a un petit peu parlé de ça. Enfin, on n'a pas vraiment suggéré les acteurs qu'on voudrait pour la série. Mais on a plus fait un peu le bilan de personnel de nous, qu'est-ce qu'on pense de ce casting, quels sont les acteurs qu'on aime le plus, ceux qu'on aime le moins, ceux qu'on aimerait, enfin, ceux pour lesquels ce serait peut-être plus pertinent d'avoir un recasting. Parce que je trouve que sur certains acteurs, ça serait top, ça pourrait donner une autre dimension à l'adaptation et puis peut-être s'approcher un peu plus du livre. Même si dans la globalité, moi j'ai toujours pas changé d'avis, enfin, puis il n'y a pas vraiment raison que je change d'avis tant que la série est pas là, mais je trouve que c'est toujours un petit peu trop tôt néanmoins. Mais voilà, si la série arrive en 2026, je trouve que les films sont pas si vieux que ça. Mais néanmoins, voilà, si ça fait au moins une nouveauté dans le fandom d'Harry Potter, on va pas cracher dessus. Si c'est pas forcément une réadaptation des livres que j'attendrais, bon bah, on va quand même l'accueillir à bras ouverts. Et puis en vrai, sur certains personnages, ça pourrait être intéressant, même si je trouve que c'est trop tôt. Mais ça pourrait être quand même intéressant. Surtout bah, quand personnellement, on n'est pas super convaincu par un acteur ou une actrice des films. Je pense qu'on a tous, on n'a peut-être pas tous les mêmes, hein, c'est même évident. Mais il y a forcément des acteurs qu'on aime plus, des acteurs qu'on aime moins, peut-être.
Peut-être parce que, déjà par affinité, puis aussi peut-être si vous lisez les livres, bah vous imaginez autrement les personnages. C'est quoi d'ailleurs, pour vous, ce serait intéressant de prolongement de l'after show qui est le prolongement de l'épisode, mais est-ce que il y a un personnage en particulier que vous attendez particulièrement dans la prochaine série parce que vous trouvez que le casting des films est pas à la hauteur? Ou même, par exemple, un personnage qui est pas dans les films, ou très peu dans les films, et vous pensez que au niveau casting et écriture, ça mérite de refaire quelque chose. Très chouette épisode ce samedi, presque 2 heures, j'étais aux anges. Ouais, c'est vrai, on fait des longs épisodes. Salut Dimikat. Dimikat, j'espère que tu vas te calmer niveau sub hein, aujourd'hui. Hein, parce que la semaine dernière, t'as régalé quand même. Jérémy, sur Insta, je t'ai envoyé une vidéo de mon domaine. Ok, je vais regarder ça. J'ai pas vu, je crois, encore. Rien que pour Peeves. Ouais, Peeves, par exemple. Hein. C'est clair. Un casting jeune pour les maraudeurs et Lily. C'est vrai que ça revient souvent, là. Au-delà, vraiment, de... Bah, des acteurs, c'est vraiment un argument fort. C'est vrai que les personnages... Enfin, dans les films, les personnages adultes sont beaucoup plus âgés que la réalité de leurs personnages dans les livres. Notamment, bah, même si Alan Rickman et tout le monde adore hein, Alan Rickman en Rogue, il y a deux choses. Déjà, l'interprétation qu'il a s'écarte quand même pas mal des livres parce qu'il s'est vraiment approprié le personnage et il en a proposé une interprétation qui est parfois, je trouve, s'écarte des livres. Dans les livres, Rogue, il est beaucoup plus brut de décoffrage. Il est beaucoup moins doucereux qu'Alan Rickman, enfin voilà. Beaucoup moins romantique aussi, je trouve qu'Alan Rickman, il a apporté un certain romantisme au personnage qui n'est pas forcément là, malgré toute la storyline de Rogue dans les livres. Et aussi, bah, Alan Rickman, il est beaucoup plus vieux que Rogue, en fait. Hein. Les adultes sont très jeunes, Lily et James sont morts très jeunes. Dumbledore sans hésitation. Ah ouais? Ouais, c'est vrai qu'on a eu deux acteurs, donc et on a forcément notre préférence. Ça serait bien d'avoir un Dumbledore homogène, quoi. Charlie Weasley. J'attends de voir comment sera modélisé Dobby. Ok. Par exemple, moi, Dobby, c'est un truc... Quand je vois que la Chambre des Secrets, le film, est sorti en 2002, vous vous rendez compte, c'était il y a 22 ans. 22... Enfin, oui, c'est ça, 22 ans que le film a plus de 20 ans. Et pourtant, Dobby, pour un film qui a plus de 20 ans, je le trouve pas si dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. Le personnage de Ginny Weasley, Bonnie Wright, n'a pas été gâté par la façon dont son personnage est amené dans les films. Ouais, moi, je rejoins complètement ce point de vue. Je trouve que Ginny... voilà, on est passé à côté dans le film, de par le casting et puis de par l'écriture aussi. Hein, c'est un mélange des deux. J'adore Rickman, il est génial, mais c'est pas Rogue dans ma tête. Ouais, bah, je te rejoins un peu, Maraudeur. Je te rejoins un peu. Enfin, en tout cas, comme je suis assez proche... Enfin, j'ai un affect particulier pour les livres, comme vous le savez... Eh ben, j'aime beaucoup le Rogue d'Alan Rickman, mais le Rogue des livres, pour moi, est quelqu'un de complètement différent. Enfin, complètement. En tout cas, il y a des différences. Rickman avait 40 ans, ouais. Après, au-delà de l'âge des acteurs, c'est aussi l'âge... Comment dire? C'est vrai qu'ils paraissent vieux, en fait. Parce que des fois, on peut avoir des acteurs qui sont assez âgés, mais qui paraissent jeunes. On peut aussi avoir l'inverse. Mais c'est vrai que globalement, les acteurs adultes paraissent trop vieux et à raison, parce que les acteurs eux-mêmes sont plus âgés que leurs personnages. Merci Nana Potter pour ton Prime aussi. Merci beaucoup, c'est ton troisième mois ici. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup à toi. Ça fait. Il y en a qui commencent à avoir un sacré. Ça commence à fidéliser, quoi. Tu vois, des 3 mois, des 4 mois, des 6 mois, voire plus. Ça fait trop plaisir, les gens. Le Dumbledore des films n'est pas celui des livres et c'est dommage. Ouais, quand on pense à Sir Michael Gambon, c'est sûr que oui. Hâte de voir Morphin Gunt, un personnage que j'aime beaucoup, alors qu'il est dans un ou deux chapitres. Bah, c'est vrai que le chapitre des Gunt, s'il n'est pas dans la série, ça serait quand même dommage. Hein. Il faut absolument adapter ce chapitre. Dans la saison 6, si on suit leur logique, une saison par livre. Saison 6, il ne faut pas passer à côté des Gunt, sinon... Les fans vont hurler. Je trouve que les films ont pas tant mal vieilli que ça. Je suis d'accord avec toi, Zévi.
Je dirais Andromeda pour les persos marquants. Envie de voir les trois sœurs Black à l'écran. Et Poudlard sans pise, pas la même ambiance. C'est vrai qu'Andromeda, on la voit pas du tout. Hein. Elle a été évacuée. Elle a été évacuée des reliques de la mort, le film. T'as raison, Lady. En tout cas, je reconnais que les personnages à Serpentard, tu veux voir plus de Serpentard. Mais à raison, à raison. Winky, Ludo, Verpé et Croupton, ouais. Ouais, ouais. Bah, Croupton, ça, Croupton Junior, j'imagine, Monigé Dizor. Après, on le voit quand même. Enfin, pour le coup, il a bien été casté, je trouve, dans le film Croupton Junior. Salut tout le monde, salut tout le monde. Je suis dans le passé, là, un petit peu. Non, ça va, j'ai pris un retour hors de temps, là, je suis en train de vous lire. Mais ça va, je suis pas trop du père non plus. Les acteurs des parents de Harry paraissent vieux, alors qu'ils sont super jeunes en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Attends, ils ont quel âge exactement? On va les regarder exactement. Attendez, regardez. On va aller sur le wiki. Hop. Si on tape, par exemple, Lily Potter. Ok. Elle est née en 60. Ils avaient 21 ans. En tout cas, elle avait 21 ans. Mais je pense James Potter, ça doit être à peu près la même chose. James Potter... 21 aussi, parce qu'il est né en 1960. Ils avaient 21 ans. Ouais. Et par exemple, si on prend... ah oui, quand je fais ça, je peux pas revenir en arrière. C'est un petit peu chiant quand je suis en... Mais si je reviens sur Lily... et qu'on prend l'actrice, par exemple, on va comparer, tiens. Adolescente, enfant... Je crois que c'est cette actrice-là, il me semble. Hein. Ouais. Hop. Elle est née en 1967. Ok, alors attendez, on fait un petit calcul vite fait. Si on fait 2001 ou 1967... Elle avait 34 ans. Oups. Oui, vous voyez la calculatrice. Oui, vous voyez mon écran. Elle avait 34 ans. Donc, elle avait. L'actrice, par exemple, elle a 13 ans de trop. Donc, ouais, les personnages sont assez, assez jeunes. Enfin, les personnages adultes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui a un petit peu effacé les films, quoi. Pour Dumbledore, ça va, on risque pas de prendre un acteur trop vieux. Bah, le problème de Dumbledore dans les films, malheureusement, c'est que... Vous venez de gagner. Merci Noémie. Mois de retenue, McLagan. Merci Noémie pour ton cinquième mois. Tiens, je parlais de la fidélité. 5 mois pour toi, Noémie. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait trop plaisir. Le problème, c'est vrai qu'en castant Richard Harris dans le premier film, c'était un sacré pari quand même pour le garder déjà qu'il était assez âgé. Bon, après, c'est la maladie hein, qui l'a frappé. C'est des choses qui peuvent pas se prévoir. Mais peut-être pour la série, je sais pas, peut-être caster effectivement un acteur plus jeune et de le vieillir, ça peut être possible. Après, malheureusement, un acteur qui décède, je veux dire, on peut caster un acteur plus jeune et ça peut quand même arriver. Hein, c'est des choses qui, évidemment, ne se prévoient pas. On aurait pu avoir plusieurs Dumbledore, hein. Enfin, je veux dire, plus que deux Dumbledore, ça aurait pu arriver. Grand merci, ce n'est pas arrivé. Michael Gambon a fait jusqu'à la fin, même si Michael Gambon n'est pas... Enfin, c'est vrai que c'est pas mon Dumbledore à moi, quoi. C'est sûr. J'ai un peu d'affect, quand même. Enfin, je veux dire, ça va, je suis OK avec Michael Gambon qui joue Dumbledore. Mais c'est comme un univers parallèle pour moi. Mais un peu, de façon générale, je considère les films comme un univers parallèle. C'est Harry Potter, mais c'est un autre Harry Potter que les livres. Vous venez de gagner un mois de... Merci Lisa pour ton prime, merci beaucoup. Je crois que t'as follow il n'y a pas très longtemps, juste avant le live. Merci de déposer comme ça ta couronne de prime sur le stream 9.3K, merci beaucoup. Je veux voir Ginny recaler Zakaria Smith, ça serait trop bien. Moi, ce qui me fait peur, c'est le casting des personnages principaux. Dont le trio principal. Bah, c'est vrai que c'est sans doute l'enjeu principal du casting de la série, c'est de retrouver un Harry, Ron et Hermione qui va plaire et qui fera autant consensus que l'on fait d'Alain Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson à l'époque. Hein. J'aimerais pas être directeur ou directrice de casting. Hein.
Même Voldemort fait moins peur dans les films que dans les livres. Je me souviens que la scène de la résurrection du 4, ça m'avait vraiment marqué tellement Voldemort a l'air terrifiant. Il fait moins peur dans les films. Ok. Bah après, c'est vrai que dans les livres... Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont jamais peur en lisant des livres. Et pourtant, qui vont être des sacrés trouillards devant des films d'horreur ou de suspense. Donc ça dépend aussi son rapport à la lecture. Et d'autres, effectivement, et c'est certainement ton cas, Océane, tu vas te laisser immerger par ton imagination et tu peux te stresser de fou en lisant un livre. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, un livre peut vraiment me faire peur parce que, effectivement, je développe mon imaginaire et surtout que dans des situations de terreur et tout, ça joue sur nos peurs inconscientes, quoi. C'est-à-dire que quand le personnage... quand les personnages d'un livre sont dans une situation de peur, eh ben on s'identifie à eux et on projette nos propres peurs en fait dans ce qu'on est en train de lire. Et moi, ça marche de fou sur moi. Donc je suis un peu comme toi, Océane. Globalement, je trouve les livres plus terrifiants que les films. Mais je sais qu'il y a, voilà, comme il y a des lecteurs qui ressentent pas vraiment de peur ou qui vont pas particulièrement stresser ou voire être terrifiés en lisant un livre. Bah du coup, les films marchent mieux là-dessus, quoi. C'est un peu plus impressionnant, et puis avec le cinéma, on peut faire... Avec les artifices du cinéma, on peut faire sursauter, vraiment créer des ambiances, etc., quoi. Il va falloir qu'ils fassent attention à l'âge des acteurs, de toute façon, si la série s'étend dans le temps. Bah déjà, pour les films, c'était pas évident. Mais dans un format sériel... Je trouve l'enjeu encore plus fort. C'est-à-dire que ils ont vraiment tourné, par exemple, ils ont commencé par les deux premiers films coup sur coup, donc c'était un an un film, mais après, dès le 3, ça a été tout de suite plus difficile, quoi. Ça a pris un an et demi, deux ans, et puis ensuite, ça a été ça sur tout le long des films, si bien qu'ils ont commencé en 2001, ils ont fini en 2011, donc ils ont mis 10 ans à tourner les 7 années. Donc les acteurs ont grandi plus vite que leurs personnages. Et dans un format série, je trouve que le risque est encore plus grand. Parce que je pense que la prod d'une série, comme va y avoir... Enfin, j'imagine, hein, je sais pas, hein, mais la production de la série va peut-être prendre plus de temps de tournage et de tournage, de préparation, etc. que des films, en fait. Que des longs métrages. De 2h30, quoi. Par exemple, si on parle d'une saison qui fait, je sais pas, moi... 10 épisodes d'une heure, bah on passe d'un long métrage de 2h30 à une saison de 10 heures, vous voyez, de 10-12 heures, quoi. Donc tout de suite, je me pose des questions. Je me pose des questions sur la faisabilité de la chose, mais ils ont l'air d'être convaincus que c'est possible, quoi. Donc on va bien voir. Je suis là clairement dans le passé. Désolé, je passe un petit peu des messages. C'est trop intéressant ce que vous dites. Vous en parlez souvent dans le podcast, mais je trouve ça fou dans le monde des sorciers. Les gens se marient et ont des gosses à peine sortis de l'école, c'est incroyable. C'est vrai que ça, pour le coup, effectivement, les acteurs, les personnages sont jeunes, mais c'est aussi peut-être un peu exagéré, quoi, dans les livres, parce que c'est vrai que dès qu'ils sortent de Poudlard, c'est tout de suite l'objectif numéro un, c'est pas de faire carrière, c'est de fonder une famille, quoi. En tout cas, ça donne cette impression-là, Ryu, je suis d'accord avec toi. Parce que James et Lily, c'est loin d'être un cas isolé, en fait. Penses-tu que la série va être meilleure que les films ? J'en ai aucune idée, le gars. J'en ai aucune idée. En fait, ça peut... Je sais même pas si l'enjeu, c'est d'être meilleur ou pas, en fait. C'est... Je trouve que la série, déjà, part pas de la même manière, parce que on connaît déjà toute l'histoire, alors qu'il faut se rappeler que quand les films... ont été produits, il y avait toute une hype parce que quand le premier film est sorti, on n'avait pas la fin de l'histoire, on n'avait que les 4 premiers livres, donc ça a participé aussi d'une certaine hype, alors que là déjà l'histoire est connue, elle est même les fans la connaissent par cœur, même sans être fan, tout le monde connaît Harry Potter aujourd'hui, et c'est un petit peu en train de... il y a eu un essoufflement quand même, hein. On voit bien que les Animaux Fantastiques, ça n'a pas pris, aujourd'hui la pièce de l'Enfant Maudit, déjà le texte a pas convaincu les fans, mais en plus, comme il y a plus en plus de gens qui ont vu la pièce aujourd'hui, bah il y a plus de hype, hein, autour de la pièce de théâtre, concrètement. Donc l'enjeu de la série, c'est de relancer la hype Harry Potter, quoi. C'est en tout cas, moi je le comprends comme ça. Et donc l'enjeu est pas du tout le même, quoi.
Et là où je trouve aussi où la série part avec un sérieux handicap, c'est encore une fois, je trouve que c'est trop tôt. Parce que je trouve que les films sont pas si vieux que ça, je trouve que les acteurs sont encore très présents dans l'imaginaire des gens. Des fans et pas que, hein, juste des spectateurs comme ça, des spectateurs lambda en fait, tout le monde connaît Harry Potter, quoi, quasiment tout le monde. Et du coup, je trouve que l'enjeu, c'est pas forcément d'être meilleur. C'est de tirer parti de ce nouveau format, le format série, c'est-à-dire vraiment peut-être s'approcher un peu plus des livres, développer plus l'univers avec plus de détails, plus de scènes, plus de quotidien, et de réadapter vraiment dans un regard nouveau avec plus de temps à l'écran les romans, parce que je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Donc moi j'attends la série surtout pour ça, voilà. D'essayer de convaincre que ça vaut le coup de réadapter les livres en 2023, 24, 25, 26, etc., quoi. Mais voilà, je trouve que c'est pas l'enjeu, c'est pas forcément d'être meilleur, l'enjeu c'est d'être différent et de convaincre les fans comme le spectateur lambda. Et honnêtement, je trouve que la série part peut-être avec un peu plus d'handicap que les films, parce que les films avaient tout à créer. Il n'y avait aucun univers visuel établi pour adapter les livres, donc ils partaient quasiment de zéro. Enfin, pas de zéro, il y avait les livres évidemment, mais visuellement, c'était le. Voilà, il n'y avait rien d'autre qui avait été fait avant, à part quelques illustrations, mais voilà, et là on parlait d'un premier film de cinéma. Et je trouve que le pari, en plus, il a été relevé haut la main, quoi, la direction artistique des films. Moi, j'aime beaucoup, je reproche beaucoup de choses aux adaptations au cinéma, mais. Franchement, visuellement, ils sont mortels les films, surtout pour l'époque. Donc là, la série, c'est voilà, réadaptée de façon moderne et puis avec plus de temps à l'écran, peut-être plus proche des livres. Ouais, c'est des enjeux différents et qui pour moi sont un peu plus difficiles que les films de l'époque. Salut Electre, je suis trop en retard. Premier stream en direct, je les regarde habituellement sur YouTube. Après coup, je me suis créé un compte Twitch pour l'occasion. Bah merci Lisa. Et puis merci pour ton prime du coup, hein. Ça fait trop plaisir. Salut Hermione Potter, je débute ce soir avec le stream. Bah, bienvenue à toi, j'espère que ça va te plaire. Ah oui, j'ai même pas parlé du programme, mais du coup, j'ai demandé sur Discord si vous aviez des idées de vidéos Harry Potter, donc soit de YouTubeurs Harry Potter, soit des vidéos sur Harry Potter, de créateurs de contenu qui sont pas forcément labellisés Harry Potter ou quoi. Et vous m'avez envoyé quelques liens. Et on va s'essayer ce soir à faire des petits reacts, ça va être sympa. Donc on va commencer dans pas trop longtemps. Salut la petite frappe. Je vois bien la série faire comme The Crown en changeant les acteurs principaux à chaque saison en fonction de leur âge. Ouais, ça serait risqué pour Harry Potter, mais serait risqué. Mais et puis voilà le nombre d'acteurs en fait, hein. Parce que 7 livres en fait, cette saison, changer les acteurs à chaque fois, ça sera un concept, hein. Ça sera un concept. Les grosses productions sont habituées désormais à 10-12 heures, je pense, c'est devenu un peu une norme et que ça n'existait pas en 2001. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Non, mais ça peut être intéressant sur un format plus long. Et puis en plus, ça ne peut que ravir les gens qui aiment les livres, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace pour adapter des détails des livres. Mais encore faut-il bien le faire. C'est pas parce qu'on a la place pour en mettre plus que ça va forcément être bien ou mieux. Voilà. Donc adapter, c'est très difficile. J'ai un peu d'appréhension pour la série, mais j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner. Pareil que toi, Hermione Potter. Ce qui me rassure avant tout, c'est HBO qui va produire donc certainement plus dark dans la continuité des tomes. Ouais, ça c'est sûr que HBO, c'est un gage de qualité, c'est vrai. Et notamment au niveau des castings, parce que les castings des séries HBO, ça, c'est vraiment de la top qualité généralement. Hein. Donc c'est vrai que la caution HBO derrière peut être rassurante. Je suis hypé par la promesse d'une plus grande fidélité au texte. Pour moi, au contraire,
C'est pas trop tôt. Ok, non, mais ouais. Non, mais je sais qu'il y en a qui attendent de fou et qui trouvent que c'est trop bien que ça arrive maintenant et tout. Hein. Mais ouais, moi, le seul bémol, c'est que je trouve qu'il faut prendre en compte aussi comment dire, le contexte en fait médiatique autour d'Harry Potter. Et c'est vrai que les films sont tellement présents. Après, ça, on est dans une époque où tout va très vite. Hein. Si la série est bonne et qu'elle accroche vite, elle peut aussi faire oublier les films rapidement. Hein. Ouais. Ouais, ça sera pour HBO Max, ouais. J'ai hâte de voir les visuels. Vont-ils choisir de créer un autre Poudlard, un autre uniforme pour être moins de jeans et plus de robes de sorcier? Quelle dizaine pour les sorts? Ouais, non. Ça, pour la direction artistique, par exemple, je trouve que c'est là où j'arrive pas du tout à me projeter. Mais c'est tant mieux, hein, je suis pas un des créateurs de la série. Mais parce que je trouve que la direction artistique des films, les décors, les costumes. Vous venez de Toute gagner un la. mois de retenue, Dis-moi, Matt Katcha, je Reagan. t'avais dit de te calmer. Merci pour les 10 subs. T'es un fou, merci beaucoup. Je citerai les pseudos tout à l'heure. Ah, bah du coup, j'ai oublié ce que tu me disais. Enfin, ce que je Vous disais, je venez sais de plus. gagner un Ah, mois bah de on va. retenue, Je suis Matt désolé, mais on va Reagan. entendre 10 fois Rogue. Hein. Allez, je cite les pseudos. Grâce à Dimikat, nous souhaitons la bienvenue Vous venez à de Doug gagner un Barba, mois de retenue, Caribou Matt Lagan. Koukouille. Voilà, je suis obligé de le dire. Vicky Plic Plac Plo Clala. Waouh. Marcel Vador, Mélie Méloche, Esther Lumos, Mouni Léoni, Fjord Mom. Bah, Fjord Mom, Vous venez de t'es gagner arrivé tout un à l'heure mois et de bah, t'es sub retenue, grâce Matt à Dimikat Lagan. et Garance Turquoise. Merci beaucoup, Dimikat. Pour les subs offerts. Ça fait trop plaisir. Mais calme-toi! T'as déjà été tellement généreux Vous sur le dernier venez de stream. gagner un mois de retenue, Matt Et en plus, Lagan. tu déclenches un Poudlard Express de la hype. Non, mais la série, c'est trop bien. Mais après, le truc, c'est que. C'est dans le. Enfin, je dis que c'est trop tôt, mais elle est pas encore là. Parce que le temps que ça se fasse Vous vraiment. venez de gagner un Ça mois de peut. C'est long, hein. retenue, Je crois que ça a Matt été annoncé Lagan. pour 2026. Mais après, entre les dates annoncées et puis la réalité des prods et tout, soyons prudents, quoi. Rappelez-vous, Hogwarts Legacy, je sais pas si vous avez suivi ça, mais on l'a attendu assez Vous venez longtemps. de gagner un mois de retenue, Matt Si jamais Lagan. vous n'êtes pas hype pour la série, dites-vous que c'est nous les Serdaigle, d'aigle, on aura enfin un aigle en guise d'emblème et pas un corbeau comme dans les films. Et juste pour ça, je suis heureux. Mais, tu vois, Réou, ça fait partie de ce genre de détails que Vous venez de j'espère qu'ils gagner vont un pas mois de oublier. retenue, Matt Lagan. Enfin, pour moi, il y a des petites, il y a une checklist quand même de choses à pas rater si on réadapte les livres aujourd'hui, surtout sur un format plus long. Je sais pas, on parlait de Peeves tout à l'heure, de omettre Vous Peeves, venez de ça gagner serait un une grosse mois de erreur par exemple. retenue, Matt Et puis ouais, Lagan. d'avoir enfin un blason qui correspond à la description du livre, ça serait bien, parce que ce n'est pas un corbeau l'emblème de Serdaigle, c'est bien un aigle, comme la traduction française le porte bien d'ailleurs. Vous venez de gagner un mois de retenue, Matt Lagan. Ça y est, on est à Garance Turquoise. Normalement, c'est bon. Merci encore une fois, Dimikat. Bonsoir ici, merci pour le gift. Premier soir ici, mais fervent auditeur depuis le podcast. J'imagine que tu voulais dire Doug Barba. Bah écoute, c'est tout bénef pour toi. Tu es sub en plus maintenant grâce à Dimikat et bienvenue à toi. Salut Marina! C'était quoi cette voix, Marina? Salut Marina! À chaque fois, je te ferai coup comme ça. Bon alors, est-ce qu'on se fait un petit réac YouTube? D'ailleurs, je vous invite, si vous. Petite digestion, je vous invite à rejoindre le Discord. Hein. Il y a une petite commande Discord, si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à le faire, notamment parce qu'il y a un salon Stream 9 3 quarts. Et là, par exemple, j'ai demandé dans ce salon-là des liens YouTube, des petites idées de vidéos à React. Et je pense que c'est un truc que je vais refaire, pas forcément sur des demandes de vidéos, mais sur plein d'autres trucs, si de quoi vous avez envie de parler et tout, que ça soit interactif, bah c'est interactif par défaut un stream parce que je parle avec vous dans le chat, mais peut-être aussi en amont des streams pour préparer les thèmes et tout. J'ai plutôt kiffé ça. Voilà, vous demandez votre avis, ce que vous avez envie de faire et tout, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord si c'est pas encore le cas et notamment à suivre le salon du stream 9 3 quarts.
Salut Marina. T'as mangé Sirius ou quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et justement, alors si je vais sur le Discord, j'ai jeté un petit œil à ce que vous m'aviez proposé et des propositions, ma foi, fort intéressantes. Et je vous propose qu'on réagisse à la vidéo qui a été envoyée par NinBNC de la chaîne YouTube Mysteria, que je ne connais pas du tout, qui a fait toute une série de vidéos sur Harry Potter, qui s'appelle Oubliez tout ce que vous savez sur Harry Potter. Et je vous propose de regarder la première partie, donc j'ai juste vite fait survolé. Mais je ne connais pas ni cette chaîne, ni cette série de vidéos. Donc voilà, je vous propose qu'on réac ensemble. Et puis je crois pas que j'avais réac à une vidéo YouTube. Vous Je crois que c'est venez la de première gagner fois. un mois de retenue, ma Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Merci Chicaneuse Toulousaine pour ton premier mois. Merci beaucoup. En plus, ça c'est le niveau 3 du train du Poudlard Express de la hype. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Salut Emma, merci beaucoup pour ton premier message. Tu comptes tout regarder ce soir? Bah, tout, peut-être pas, parce que vous m'avez envoyé quand même quelques vidéos. Mais je propose de commencer par celle-là. En tout cas, c'est sûr qu'on va regarder cette vidéo-là. On n'enchaînera peut-être pas les quatre parties ce soir. Mais si ça nous plaît, si ça nous intéresse et tout, on regardera la suite dans d'autres streams. Donc, je vais préparer la vidéo. Ah bah, je l'ai déjà ici. On va couper la musique. Voilà. Première réaction YouTube. Ouais, je crois, parce que quand j'ai commencé la chaîne, enfin le stream, je crois pas, parce qu'on était à fond dans Hogwarts Legacy, donc je crois pas qu'on ait déjà fait des réactions YouTube. Moi, j'aime bien regarder, et donc je me disais, ça serait sympa d'en faire. Alors, pour que vous puissiez voir avec moi, donc c'est la chaîne Mysteria, il y en a qui connaissent ou pas? Oubliez tout ce que vous savez sur Harry Potter, partie 1 sur 4. Je connais pas du tout, perso. Xionixes qui a localisé Poudlard, Vous c'est cool venez de aussi. gagner un mois de Merci, retenue, Inny. McLagan. Merci pour ton cinquième mois de niveau 2. Merci beaucoup, Inny. Ça fait trop plaisir. Merci pour le soutien. Non, je connais pas, moi non plus. Ok, Mysteria. Donc, c'est pas une chaîne YouTube Harry Potter. Hein. D'ailleurs, ce serait intéressant. Bah, d'ailleurs, hop, abonné direct. Et ça serait, je vais jeter un œil à cette chaîne. Parce que du peu que j'en ai vu. Et là, on va vraiment regarder la vidéo en entier ensemble. Ça a l'air plutôt cool. Je viens de changer, j'ai été niveau 1. Merci, Nini, merci beaucoup. Ok. Et bah, je vous propose de se lancer. Alors, attendez, est-ce que ouais, la scène, c'est bon. Je vais vous mettre en plein écran. Hop. Et puis, on lance ça. C'est parti. Dites-moi dans le chat s'il y a un petit problème niveau technique ou quoi. Lors d'une interview, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a déclaré ceci. Je n'ai jamais voulu être une sorcière, mais une alchimiste. Et c'est un problème différent. Pour inventer ce monde de magiciens, j'ai appris une grande quantité de choses à propos de l'alchimie. Peut-être que je n'utiliserai jamais la majorité des choses que j'ai apprises, mais je dois savoir précisément ce que la magie peut et ne peut pas faire afin d'établir la logique interne de l'histoire et de régler ses paramètres. Il faut savoir que les alchimistes ont une façon très particulière de On va parler s'exprimer. d'alchimie, Pour que le apparemment. secret de la pierre philosophale ne tombe pas entre de mauvaises mains ou pour que les apprentis apprennent à voir au-delà des apparences, ils ont dissimulé le secret de leur connaissance derrière le voile du symbolisme. Ils ont créé des images dont le but est d'en découvrir le sens caché et ils ont fabriqué des petites histoires dans lesquelles ils dissimulent un aperçu de ce qu'est la quête alchimique. Alors, est-ce qu'il serait possible que J.K. Rowling ait dissimulé de la connaissance alchimique au sein de l'histoire d'Harry Potter? Eh bien, C'est pas mal parce que moi, c'est un sujet, l'alchimie, que je maîtrise pas du tout. Donc, si vraiment, je sais pas si la série de vidéos est focus sur cette thématique-là, mais si c'est le cas, je pense que je vais apprendre plein de choses parce que je suis assez ignorant sur le sujet. J'ai vu ces vidéos et je voulais bien un retour dessus parce que ça mérite de tout relire. Doug Barba, j'imagine que tu fais allusion à cette série de vidéos de la chaîne Mysteria. J'avais adoré cette vidéo. Ok.
La dame à la licorne derrière le monsieur, tapisserie se trouvant à Cluny. Ouais, c'est très beau ce. Du coup, Chiron Samini, c'est quoi comme tapisserie? Ça Cette m'intéresse de savoir. déclaration de juin 2003 Ça fait est... très salle commune de Gryffondor, en tout cas, ça colle bien. C'est dans la salle commune des Gryffondors. Ok, ah oui, c'est celle-là en fait. Elle se trouve au musée de Cluny à Paris. Attendez, attendez, vous m'apprenez plein de choses là. Ça me passionne. Ta 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 ta. C'est quoi? Musée de Cluny, tapisserie. Tapisserie. De la dame à la licorne, c'est ça? Attendez, on va regarder dans Google Images si on a. Ouais, c'est ça. Ok, et c'est la. Et c'est celle qu'on voit dans la salle commune de Gryffondor dans les films. Ces vidéos font vraiment une étude complète des livres et il faut bien analyser. Ok. La Dame à la Licorne, cette Joconde du Moyen-Âge, étude d'un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de la tapisserie du XVe siècle conservée au musée de Cluny. La tenture de la Dame à la Licorne exerce un mystérieux attrait. Sa belle couleur rouge et la luxuriance de son fond de mille fleurs captive l'œil, tandis que les méandres de son interprétation continuent depuis 2 siècles à faire couler l'encre. Ok. Oh, ça a l'air trop beau. Et du coup, c'est bien celle-ci qui est dans le. Je sais pas si l'article en parle ici. Attendez, si on fait Harry Potter. Ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je vous crois, je vous crois. Mais c'est vrai que ça a l'air de ressembler en tout cas. Hein. Hop, je vais quitter le mode plein d'écran. Bon, je reviens à la vidéo. Je suis déjà en train de flouder, vous avez vu. Il y en a 5 à Cluny. Ok. Peut-être un indice. Il y a un grand secret au cœur de l'histoire de Harry Potter. Un grand secret qui, en un sens, explique tout. L'auteur connaît beaucoup de choses en alchimie et nous dit qu'il y a quelque chose de caché au sein de son récit. Ok, alors on va se plonger dans les 7 livres d'Harry Potter pour voir ce que nous cache cette saga cultissime. Après, je crois, alors j'ai pas la date exacte en tête, mais je sais que cette citation de J.K. Rowling, mais je crois qu'il donne la date, non? C'est pas 2003 et 2003, voilà. C'est vrai que peut-être un indice, cette chose de citation, elle est grand souvent secret ressortie. qui en un Un grand sens explique secret tout. qui. Voilà, il y a un grand secret qui, en sens, explique tout. Mais je pense qu'il faut, c'est important de remettre cette citation dans le contexte et surtout dans la temporalité, parce que en 2003, la saga de livres n'était pas encore sortie. Je crois qu'on en était au 5. Le 5 est sorti en juin ou à l'été 2003, si je dis pas de bêtises. Et il faudra attendre 2007 hein, pour avoir les reliques de la mort. Et en fait, cette citation de J.K. Rowling, en fait, ça fait référence. Je pense qu'ici, en 2003, elle faisait référence déjà à leur crux, aux Horcruxes et à leur crux en Harry, etc. Aujourd'hui, on a tendance un peu à reprendre cette citation et puis bah, par exemple de la reprendre en 2023 et se dire ouais, c'est quoi le grand secret au cœur de l'histoire qui n'a jamais été découvert? Non, je sais que je crois que c'est Vincent Olicard qui en avait fait une vidéo sur les réseaux. Non, c'est juste cette citation, hein. C'était quand on connaissait pas encore la fin de l'histoire et en fait c'était un teasing de la part de l'autrice sur la fin de l'histoire et je pense que ça fait référence personnelle, ça faisait référence aux Horcruxes. Juste pour le contexte. L'auteur connaît beaucoup de choses en alchimie et nous dit qu'il y a... Ou de l'amour de Rogue. Je sais pas en fait. Je sais pas à quoi elle fait référence, mais elle fait en tout cas référence à quelque chose qu'on a lu depuis et qu'on a vu depuis dans les films. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de grands mystères aujourd'hui à découvrir autour de cette citation. Néanmoins, c'est un Quelque détail, on y chose de va. caché au sein de son récit? Ok, alors on va se plonger dans les 7 livres d'Harry Potter pour voir ce que nous cache cette saga cultissime. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Jean-Pierre Quentin-Bieck, qui a écrit un bouquin de 500 pages sur le lien entre Harry Potter et l'alchimie. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Bon, maintenant, je vais essayer de Je lancer le connais pas ce livre. générique, mais c'est une Tu toute es un nouvelle baguette sorcier. noire. On ne se connaît pas encore tous les deux, mais c'est pas grave, ça devrait le faire, hein. D'ailleurs, dans le doute, Merci j'ai quand pour même ton le mettre follow, sur le Elise. côté, pas casser le matériel. Attention, Episodius Genericum. Ah ouais. Non, mais c'est pas du tout le. Non, c'est pas. Je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas du tout ça. Je voulais pas faire Sympa, ça. le Non, petit bah tant pis, FX. on. Générique, générique, je.
Ouais, je connais pas le livre. J'espère que c'est pas trop fort chez vous. Il est beau ce générique là. Ça a l'air bien travaillé ces vidéos. Hein. Très beau. Je suis hypé, on y va. Ok, donc je pense que c'est le thème de la première vidéo. La chimie est une pratique très ancienne qui puise sa philosophie dans les écrits d'un certain Hermès Trismégiste. Il est apparu en Égypte au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il est le résultat de la fusion entre Thoth, le dieu égyptien de la connaissance, et Hermès, le messager des dieux du panthéon grec. C'est une discipline qui va se développer en France pendant le Moyen-Âge et qui va atteindre son âge d'or pendant la Renaissance. L'objectif de cette quête est que celui qui s'y engage devienne la version parfaite de lui-même. Nous sommes du plomb au début de notre quête et l'objectif est de devenir aussi pur et immuable que l'or. La trame de fond d'Harry Potter se calque sur le parcours que doit suivre un alchimiste pour réaliser ce qu'on appelle le grand œuvre. Et pour que ce soit clair, voilà le voyage que nous allons faire ensemble sur les sentiers de l'alchimie. Nous devrons passer par 4 épreuves associées aux 4 éléments. L'épreuve de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. La première épreuve est une phase de putréfaction. Nous devons plonger à l'intérieur de nous pour trouver la pierre cachée qui sera la matière première nécessaire à la quête alchimique. L'épreuve de l'eau est celle de la purification. Cette phase est celle du doute. Nous allons douter et nous questionner afin de séparer dans notre esprit les bonnes pensées des mauvaises. L'épreuve de l'air est une étape de spiritualisation. Nous devrons concentrer notre regard et notre intention sur ce qu'il y a de beau et de spirituel. C'est précis, hein, précis, précis. L'épreuve du feu est une transformation. Nous devrons apprendre à contrôler nos passions avant de passer aux épreuves suivantes. Ces 4 épreuves sont rattachées au monde matériel et forment le socle de la quête. Nous devons trouver la matière première à l'intérieur de nous. Ensuite, nous devons purifier notre esprit en séparant les bonnes des mauvaises intentions, concentrer notre regard sur les choses belles et spirituelles. Et pour terminer, nous devons contrôler nos passions pour réaliser les 4 premières épreuves. Ensuite, il y a 3 œuvres qui sont rattachées au monde spirituel et qui forment ce qu'on appelle le grand œuvre. Il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Le premier est une phase de dissolution pendant laquelle nous allons devoir abandonner nos émotions et nous séparer d'une partie de nous-mêmes. L'œuvre blanc est un dépouillement. Nous devrons faire remonter nos plus profonds traumatismes pour les surpasser. Pour terminer, l'œuvre rouge est une étape de coagulation. Nous devrons mourir symboliquement pour renaître sous notre nouvelle forme parfaite. Le chemin est tracé, il est temps de démarrer le voyage. Et du coup, je me demande, cette quête alchimique là, avec ces différentes étapes, elle a été définie par qui exactement? Du coup, c'est ça que j'ai... Je ne sais pas si c'est, s'il y a une source précise. D'ailleurs, il y a la pub, j'en profite. Vous n'êtes pas sans savoir du coup que le titre original du premier Harry Potter, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. C'est vraiment Harry Potter et la pierre philosophale. Et ce titre n'a été gardé que dans la version originale en anglais britannique, parce qu'il y a eu plusieurs changements de titres. Les Américains, quand ils ont acheté les droits de Harry Potter, ils ont décidé de changer le titre en The Sorcerer's Stone. Donc ils ont gardé l'idée de la pierre, mais ils l'ont transformé en pierre des sorciers. Et pourquoi avoir fait ça? C'est parce que, bah, justement, Harry Potter et la pierre philosophale, ça sonnait un peu trop scientifique pour un roman à destination des enfants. Et donc, Scholastic, l'éditeur américain, a fait ce choix de changer le titre. Et bien entendu, comme vous le savez, Gallimard, en France, a fait le même choix, un choix même un plus radical que les Américains, parce que Gallimard a évacué complètement la pierre, en fait, et a appelé ça Harry Potter à l'école des sorciers, qui est un titre que j'aime pas beaucoup. J'aurais préféré qu'on garde le titre original, même si, comme on l'a souvent dit, en tout cas déjà dit à la fréquence, c'est quand même un titre qui spoil énormément. Alors après, le titre est un spoiler, parce qu'on apprend que effectivement ce que Hagrid récupère dans le coffre à Gringotts, c'est ce qui est gardé, hein,
dans Poudlard, c'est bien la pierre philosophale, mais ça, on l'apprend assez tard dans le récit. Enfin, en tout cas, ça arrive à un moment dans le récit, mais on ne s'est pas donné dès le début, donc on peut considérer que c'est un spoiler. Mais en même temps, je pense aussi que ce n'était pas considéré forcément comme un spoiler pour l'autrice, parce que un enfant qui va lire Harry Potter ne sait pas forcément ce qu'est la pierre philosophale. Après, il suffisait de faire quelques petites recherches, ou même à l'évocation même du nom de Nicolas Flamel, on peut savoir de quoi il est question. Mais voilà, moi je regrette un peu cette traduction française, personnellement. Pourquoi pas, à la rigueur, avoir... Je ne sais pas pourquoi ne pas avoir gardé... S'il fallait vraiment changer et évacuer philosophal, j'aurais préféré, à la limite, qu'on reste sur la même idée que les Américains, et d'appeler ça Harry Potter et la pierre des sorciers, par exemple. Parce que pierre des sorciers, on garde l'idée de l'objet, l'artefact, l'élément important dans l'histoire, parce qu'à chaque fois, c'est Harry Potter et l'élément important de l'histoire. Et du coup, là, à l'école des sorciers, ça brise, parce que c'est vraiment le seul titre dans les 7 livres et les films où c'est un lieu, c'est pas un élément, et ça fait un peu bizarre. Et puis, du coup, le titre américain, je le trouve assez intéressant, parce qu'on garde cette espèce de gimmick, en fait, entre les titres, et en même temps, on évacue le mot philosophal, et puis on évacue aussi, du même coup, le spoiler, qui est la pierre philosophale. En gros, on sait qu'il s'agit d'une pierre, mais c'est la pierre des sorciers, ça veut rien dire. Donc j'aurais préféré qu'on reste soit sur les Américains ou qu'on garde carrément le titre original britannique. Mais à l'école des sorciers, je sais pas. Je viens de relire le récit du prince. Quel chapitre? Ça faisait longtemps que j'avais pas relu les livres en plus. Ah bah, c'est un méga, méga culte, turbo culte, ce chapitre. Allez, on continue. La famille adoptive d'Harry l'oblige à vivre dans un petit placard sous l'escalier, et dans ce petit espace, il va mûrir lentement jusqu'au jour où il sera prêt à s'élever. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce placard est placé sous un escalier qui, lui, est le symbole de l'élévation intellectuelle et spirituelle. Les moldus l'empêchent littéralement de s'élever. Mmh. Les maltraitances physiques et psychologiques que subit Harry de la part de son cousin Dudley sont le symbole des remous incessants provoqués par les passions humaines. Dudley est animé par l'avarice, l'orgueil, la vanité, la gourmandise, toutes sortes de péchés. C'est ce dont le profane est victime avant de démarrer son initiation. Pour Harry, l'élément déclencheur se produira lors d'une visite au zoo, dans une scène avec un serpent. Et généralement, la présence d'un serpent dans un récit symbolique annonce le début d'une quête initiatique. Un peu plus tard, Hagrid vient chercher Harry et ils vont tous les deux faire des emplettes au chemin de traverse. Ils en profitent pour passer à la banque Gringotts et récupérer l'argent que les parents d'Harry lui ont légué à leur mort. La tunasse. Cet extrait nous donne une scène très intéressante qui présente l'opposition entre ésotérisme et exotérisme. Ésotérisme vient du grec ésotéros et signifie intérieur. À l'opposé, il y a exotérique qui vient de exotérikos et qui veut dire extérieur. L'ésotérisme s'occupe de ce qu'il y a au-delà du visible, alors que l'exotérisme se contente des apparences. Lorsque le gobelin ouvre le coffre d'Harry, il y découvre une montagne d'or, et il est absolument émerveillé par ce qu'il voit. C'est une richesse purement matérielle, perceptible par tous, c'est donc une richesse exotérique. Mika, t'aurais pas mis un peu trop de fumée là, parce que... Ensuite... Peut-être que l'éditeur français a minimisé le succès du livre et s'est dit que ça n'intéressait que les enfants, comme il y a 30 ans avec certains mangas que les chaînes voyaient comme des dessins animés pour enfants et dont les titres VF ne correspondent pas. Oui, il s'est dit que ça n'intéresserait que les enfants. Oui, c'est ça. Après, il faut savoir aussi que le premier Harry Potter, vraiment Harry Potter à l'école des sorciers, est clairement vendu comme un livre pour enfants, quoi. Sans doute aussi que... Je pense pas que ça soit Bloomsbury, l'éditeur original britannique, ou que ça soit, par exemple, Gallimard en France. Je suis pas sûr que c'était attendu vraiment que les autres livres atteignent, soit du format qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis pas sûr que quand L'École des sorciers a été, par exemple, publié en France, je suis pas sûr que Gallimard s'attendait, par exemple, à ce que le 5 fasse plus de 1000 pages. Je sais pas, je pense qu'il s'attendait plutôt à une série de livres vraiment à destination d'enfants, on va dire, à partir de, par exemple, de 6-7 ans, alors que clairement, je pense, pour moi, le pilier, c'est le 4,
où le 4, on n'est plus du tout sur un livre, sur des livres accessibles aux enfants. On est très clairement dans une littérature jeunesse adolescente, où, parce que c'est, ça devient trop épais, ça devient trop dark aussi dans les thématiques, etc. Et moi, je suis pas sûr que c'était quelque chose qui était forcément attendu des éditeurs aussi. Je sais pas exactement quelle était la teneur des discussions entre J.K. Rowling et l'éditeur au Royaume-Uni. Je sais pas si c'était discuté, mais en tout cas, très clairement, le 1 et même le 2 étaient vendus pour comme des livres pour enfants. Avant que ce soit des livres jeunesse, etc., c'était vraiment des livres pour les enfants. Salut Machado. Le 4 restera toujours mon préféré. Hagrid fait ouvrir le coffre 713 sur demande de Dumbledore pour y récupérer le contenu. Et Harry, voyant que c'est un coffre bien protégé, s'attend à y trouver un énorme trésor. Quelle ne fut pas sa déception en voyant un tout petit paquet mal emballé. Ici, c'est une richesse ésotérique qui nous est montrée. Il faut passer au-delà des apparences de ce tout petit paquet tout moche pour en comprendre la véritable nature. C'est pas la taille qui compte. Harry, n'ayant pas encore débuté sa quête initiatique, est impressionné par les richesses exotériques et se moque un petit peu des richesses ésotériques. Mais on verra à la fin des livres qu'après une élévation spirituelle, les choses vont changer et même s'inverser. Concernant le coffre 713, il y a un petit quelque chose que j'aimerais souligner. Dans l'ésotérisme, on utilise souvent la symbolique des nombres. C'est une pratique qui remonte à la confrérie des pythagoriciens. 713 est le résultat de la multiplication de 23 par 31, qui sont deux nombres premiers, ce qui fait de 713 un nombre semi-premier. Et si on additionne tous les chiffres qui composent ce nombre, 7 plus 1 plus 3, on obtient 11, c'est également un nombre premier. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un nombre premier. Vous excuserez le fait que je ne suis pas du tout à l'aise avec les mathématiques. Harry se retrouve ensuite à la gare King's Cross de Londres, et c'est là que commence véritablement l'initiation. En traversant la voie 9¾, Harry passe au travers du mur des illusions, celui qui sépare le monde matériel du monde immatériel. On pourrait aussi dire que c'est le mur qui sépare le monde des profanes du monde des initiés. Dans le train, il va rencontrer Ron et Hermione, ses futurs amis avec qui il va vivre toutes ses aventures. Ces trois personnages forment la trinité alchimique, le sel, le soufre et le mercure. Oula, ça devient très précis dans l'analyse. Un nombre premier n'est divisible que par lui-même en bref. Ok. Un nombre qui n'est divisible que par un et par lui-même. Je vous crois. Merci Maraudeur, merci la carotte. Je vous crois absolument. Oups, j'ai misclic. Attendez, je reviens. On en était où ? Ok, on était là. Forme la trinité alchimique, le sel, le soufre et le mercure. Et oui, car il faut savoir qu'en alchimie, toute chose est constituée de trois principes. Okay. Le soufre est masculin, actif et chaud. Il compacte, corporifie et brûle. C'est l'esprit d'un être vivant. Le mercure est féminin, passif et froid. Il est aggloméré, s'évapore et concentre les choses. C'est l'âme d'un être vivant. Le sel est un catalyseur incorruptible en mouvement qui est à la fois fixe et volatile, c'est le corps d'un être vivant. Les trinités se retrouvent assez souvent dans les religions et les traditions initiatiques. Le mot a été créé au IIe siècle par Tertullien, un écrivain d'origine berbère qui écrivait en latin. Il est constitué de tri et de unitas qui signifie trois et unité. En littérature, à la fac, j'ai dû analyser Shakespeare selon les chiffres. Quelle horreur, j'espère que ce n'est pas la même là. Alors attention, professeur Song, parce que on parle de trinité alchimique. Je pense que ça risque d'être assez mathématique. Et en tout cas, c'est très précis. Ça veut dire que l'unité est constituée de trois choses. On retrouve ça, par exemple, dans la religion chrétienne avec... Elle en rapport à quoi, la vidéo? Je ne comprends pas trop. Je suis arrivé en plein milieu. Si quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, Mary. En gros, c'est oublier tout ce que vous savez sur Harry Potter... partie 1 de la chaîne Mysteria, et là ça s'intéresse à la quête alchimique, en tout cas ça analyse pour le moment le premier livre de Harry Potter sous le prisme de l'alchimie, voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est précis hein, dans l'analyse. Le sel, le soufre et le mercure.
Dans la spiritualité, on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et on trouve également une très jolie trinité en Bretagne avec la galette œuf jambon fromage. Ron et Hermione sont à la fois opposés et complémentaires. Et ça tombe bien. C'est vrai parce que pour le coup, la trinité alchimique me fait pas mal penser à la trinité religieuse, en tout cas dans le christianisme, si je dis pas de bêtises. L'alchimie, c'est de réunir donc les opposés. Je sais pas s'il y a un lien quelconque, mais ça me fait surtout penser à ça. Vous avez compris le principe. Hermione Granger est plutôt calme et réfléchie. Elle est le mercure. D'ailleurs, ses initiales HG sont le symbole du mercure dans le tableau périodique des éléments. Hasard, je ne crois pas. Ouah. Ron est plutôt sulfureux et pas... Alors là, on en vient à l'éternel débat du niveau d'anticipation, de recherche et de travail de l'autrice, parce que ouais, est-ce qu'elle a fait exprès? Est-ce que, bon, a priori, effectivement, elle s'est intéressée à l'alchimie, c'est un domaine qui ne lui est pas étranger. Après, à quel niveau elle a analysé la thématique de l'alchimie pour construire son histoire, jusqu'à, par exemple, faire correspondre le nom de ses personnages, par exemple Hermione Granger, au Mercure, je ne sais pas. Hermione Granger, ouais, c'est Granger, ouais. Pour moi, l'auteur veut présenter la quête alchimique et utilise Harry Potter pour faire plus de vues. Il aurait pu le faire avec n'importe quelle saga, n'importe quelle histoire bien écrite. Ah, c'est vrai que pour le coup, on va pas en apprendre sur Harry Potter, mais on va en apprendre sur l'alchimie, quoi. Là, clairement. Mais après, moi j'aime bien ce genre de vidéo aussi parce que c'est, par exemple, c'est ce que je disais, moi j'y connais rien en alchimie. Et justement, l'analyser à travers le prisme de l'œuvre d'Harry Potter, ça peut être aussi un bon moyen d'ouvrir les gens sur ce sujet-là, parce que ça va être beaucoup plus simple d'instruire, d'intéresser les gens sur la thématique en prenant, pour exemple, la saga qu'ils aiment, quoi. Pourquoi pas Potter aussi? On n'en est pas loin. Passionné, il est le soufre. Harry est bien entendu le sel. Il est le catalyseur qui se trouve entre l'intellect, Hermione, et les émotions, Ron. Ron, sulfureux et passionné, c'est le soufre. Hermione, calme et réfléchie, c'est le mercure. Harry serait le catalyseur, le sel entre les deux. Après, tout peut se défendre, mais... J'ai du mal à voir Ron comme quelqu'un de passionné. Et le calme, c'est pas la qualité première qui me vient quand je pense à Hermione. Par contre, réfléchi, c'est évident. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme pour chaque analyse, il faut toujours garder la distance. C'est pas parce qu'on peut faire plein de liens que l'autrice l'a fait volontairement. Certes, certes. Et puis même, c'est pas parce que J.K. Rowling n'y a pas pensé que c'est pas pertinent de le relever. Ça, c'est sûr. Et c'est bien connu, hein. Souvent, les auteurs sont les premiers à être surpris des analyses poussées qu'on fait parce que ça atteint, enfin ça va au-delà de ce qu'ils ont anticipé. Mais après, sur un truc très précis, par exemple, Hermione Granger dans la Trinité alchimique, elle serait plutôt le Mercure. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que les initiales de son prénom, ça correspond aux initiales du Mercure. Enfin, en tout cas, la formulation chimique, je ne sais pas comment on appelle ça, du mercure. Vous venez de là, on est sur un truc en mode, attends, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'on pousse trop loin l'analyse, quoi. Là, pour le coup, là, c'est précis, quoi. Merci, Yves-Star, pour ton prime. C'est ton deuxième mois, merci beaucoup. Et désolé encore pour tout à l'heure, parce que je reconnais ton pseudo. On se fait ça, on se fait ça bientôt. Drago, c'est le piment. Si Harry c'est le sel, Drago c'est le piment. J'aime bien cette analyse. Non mais ok, laissons-nous porter. L'un des objectifs de cette quête est de réunir les opposés, donc le soufre et le mercure. Et si vous avez lu les livres jusqu'au bout, vous savez ce qu'il en est. Ils font et des on bébés. On verra au cours de l'histoire que cette triade soufre, mercure et sel ne doit pas être séparée au risque de perdre son harmonie. Une fois arrivé à Poudlard, Harry découvre la grande salle et son magnifique plafond étoilé. Mais pas le temps de faire le touriste, il faut passer sous le chapeau. Dans le film, c'est un chapeau qui parle et qui est posé sur la tête du candidat. Mais dans le livre, le chapeau parle dans la tête de celui qui le porte et aussi il lui couvre les yeux.
Comment il est oui, tiens, j'en profite de la pub. Ça, c'est vrai que dans le livre, les élèves, enfin, les autres élèves n'entendent pas la voix interne du Choixpeau. Et ça, bon, bah, pour une raison évidente, ils l'ont fait comme ça dans les films, parce que sinon, ça aurait... Enfin, quoique... Mais même dans le film, en fait. Attendez. Est-ce que dans le film, c'est clair que les autres entendent la voix du Choixpeau? Pour moi, c'est sûr que dans le livre, il n'y a vraiment que la personne qui porte le Choixpeau qui entend la voix du Choixpeau. Dans le film, ça donne l'impression, effectivement, que tout le monde peut l'entendre. Mais c'est pas si évident que ça. C'est peut-être aussi une question de point de vue. Bah, Moni, j'ai du sort, je sais pas. Nous, on l'entend en tant que spectateur, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde l'entend? On n'a pas forcément la preuve. Oui, les élèves réagissent. Ils réagissent? Putain, j'essaie mentalement de me souvenir. Ils réagissent. Ouais, ils réagissent. Je pense que c'est dans la tête de l'élève. Ouais. Attendez, on peut voir vite fait. Si on va sur YouTube et qu'on tape Harry Potter Choixpeau. Harry Potter Choixpeau. Attends, même si c'est en anglais, on s'en fiche. Ok. Là, par exemple, Hermione. Ok. Gryffindor. Bon, ils réagissent parce qu'elle est répartie à Gryffondor, mais est-ce qu'ils l'entendent la voix du... Ah, c'est vrai qu'on voit... On voit bouger des lèvres et tout. Bon, lui, ça va être Serpentard. Tiens, Ron. J'adore comment il sursaute. Ha! Another Weasley. I know just what to do with you. Gryffindor. Ouais, je pense que dans le film, c'est l'idée, c'est quand même que tout le monde peut entendre la voix, parce qu'en plus il y a une espèce d'écho dans la voix du Choixpeau. Enfin, vraiment, sa voix résonne dans la grande salle. Donc, mais je pense surtout au plan de Harry, ouais, avec ce plan qui fait le tour. Là, c'est un peu dur de savoir en vrai. Hein. Not Slytherin, eh? Quel serait l'intérêt d'avoir une bouche si c'est juste pour parler dans la tête des élèves? Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais je pense qu'effectivement, dans le film, l'idée, c'est quand même que tout le monde entend les voix. Ok, bon, reprenons notre vidéo de base. C'est parti. Alors que, par contre, je suis assez d'accord à ce qui est dit dans la vidéo. Je pense vraiment que dans le livre, c'est qu'une voix interne. Hein. Donc peut-être aussi que le Choixpeau, il n'a pas forcément de bouche, en fait, parce que c'est vraiment, il te parle qu'à toi. Les yeux en le plongeant dans le noir absolu. Le but n'est pas d'empêcher Harry de voir le monde extérieur, mais plutôt de le forcer à regarder à l'intérieur de lui pour démarrer son introspection. D'ailleurs, c'est ce qu'il se passe. Une fois qu'il a les yeux bandés, il pense très fort à ne pas aller chez Serpentard et le Choixpeau l'écoute. Un peu plus tard, Harry se découvre un véritable talent pour le Quidditch et il se trouve que ce sport, à travers ses règles et ses équipes, fait l'éloge d'une autre tradition initiatique. Il y a tellement de choses à dire sur le Quidditch que j'en ai fait une vidéo dédiée que vous retrouverez sur la chaîne. Je vous disais tout à l'heure que le soufre et le mercure, donc Ron et Hermione, sont des principes opposés et complémentaires et que le sel, donc Harry, est un principe neutre qui unifie les deux. Cette trinité doit être complète pour être stable. S'il manque un des principes, l'harmonie s'en trouve menacée. La bouche sert à annoncer la maison à tout le monde. Mais c'est vrai que le Choixpeau, il a forcément une bouche aussi. Hein. Il a une fente, en fait, dans sa forme. Donc il crie à plein poumon la maison aussi. Ouais, c'est un truc... c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Enfin, c'est évident que dans le livre... Les réflexions du Choixpeau, pour moi, il n'y a que l'élève qui porte le Choixpeau qui l'entend. Dans le film, ça reste sujet à interprétation, je sais pas. Au cours de l'histoire, Ron fait une remarque désagréable à Hermione. La tête de Sirius. Alors elle quitte le trio en étant fâchée et vexée. Le fait de quitter violemment le trio entraîne un déséquilibre. Hermione est le mercure, elle est calme et réfléchie, elle représente l'intellect.
Donc, si Hermione, le mercure, n'est plus là, il reste Ron, le soufre, et lui, il est plutôt sulfureux et passionné. Du coup, quand Harry se retrouve face au troll dans les toits... Ah, encore une fois, sulfureux et passionné, je sais pas pour Ron, mais ben, passons. Il se comporte de manière irrationnelle, emporté par ses pulsions émotionnelles. Il se jette dessus et essaie de le taper avec sa baguette plutôt que de jeter un sort. Le troll ne sentait pas le poids de Harry. En revanche, il sentait très bien la baguette magique qui lui était entrée droit dans une narine. Harry perd littéralement sa capacité à réfléchir. Il en oublie même la fonction première d'une baguette magique et l'utilise comme un vulgaire bout de bois. Quand l'intellect n'est plus là, les émotions prennent le dessus. Par contre, si c'était Ron qui quittait le trio, qu'est-ce qui se passerait à votre avis ? Eh bien, je vais vous répondre, chers spectateurs fougueux, mais je vais faire ça dans la dernière vidéo. Oui, bah oui, mais en même temps, Ron y quitte le trio dans le dernier livre, donc voilà, va falloir patienter un petit peu. Ouais, la patience est une qualité fondamentale en alchimie. Bonsoir, j'ai l'impression que si l'on cherche des rapprochements, on les trouve toujours. Ça me fait penser à la théorie des 7 étapes de la mort en rapport avec les 7 livres, je ne suis pas convaincu. Là non plus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Moon Potter. C'est vrai que moi, je... En fait, ça m'intéresse toujours de voir ce genre d'analyse. Après, genre, même si j'apprécie les entendre et les regarder dans le cadre d'une vidéo, c'est pas pour autant que je suis acquis à l'analyse, généralement. Ça m'intéresse, mais après, j'ai souvent un esprit critique dessus. Et je pense que là, tu fais référence aux 7 étapes du deuil. Et par exemple, cette théorie, elle est intéressante. Je crois que je parlais de... Je parlais de Fabien Olicard qui est dans une vidéo il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avait justement repris la citation de J.K. Rowling de 2003 en disant oui, qui disait « Oui, il y a un grand mystère qui se cache dans Harry Potter », alors qu'en fait, on ne connaissait pas la fin de l'histoire, donc elle était en train de teaser la fin de l'histoire. Et il avait repris ça, et justement, je crois que le thème, c'était les 7 étapes du deuil, et il montrait en quoi... chaque étape du deuil pouvait correspondre dans l'ordre au premier tome, au deuxième tome, au troisième tome, etc. Et en fait, c'est intéressant, je la trouve intéressante, cette analyse, mais en vrai, quand on prend chaque thématique du deuil, chaque libellé, en fait, on pourrait très bien faire correspondre chaque libellé à n'importe quel livre ou à n'importe quel film. En fait, tout dépend de comment on l'analyse. En fait, c'est ça que c'est sur un même thème, on peut analyser les 7 livres de la même manière. En fait, c'est vrai que on a une thèse et en fait on fait tout pour on balance plein d'arguments pour étayer sa thèse. Mais on pourrait très bien sur d'autres arguments étayer une autre thèse, en fait, dire « Ah bah non, en fait, finalement, les 7 étapes du deuil, elles sont à l'envers, en gros. On pourrait très bien faire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je suis sûr que ça marcherait quand même. On trouverait des arguments pour le faire à l'envers, par exemple. » Donc ouais, je suis un peu pareil. J'ai toujours un petit regard critique par rapport à ça. Par contre, c'est toujours intéressant, en fait. Haute Trinité, Mercure égale McGonagall, Soufre égale Dumbledore, Sel égale Rogue. Ouais, alors après, dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de trio. Enfin, disons que McGonagall, Dumbledore et Rogue ne forment pas vraiment un trio, je trouve. Par contre, un autre trio qui est intéressant, c'est Luna, Neville, Ginny. Parce que je trouve qu'ils ont, peut-être une dynamique qu'on peut comparer à Harry, Ron et Hermione. Mm-mm. Celle-là est assez bancale, ça marche avec toutes les sagas jeunesse. Ouais. Ouais, c'est sûr, parce que c'est Nin Bensé, je suis assez d'accord, en plus, dans l'épreuve du troll, c'est justement là qu'ils unissent leurs forces. Ouais, oui, la seule petite critique que j'ai là, mais on pourrait quand même la balayer, parce que c'est un détail, mais c'est vrai que le trio n'existe pas en tant que trio dans Harry Potter 1 au moment de l'attaque du troll. Ils sont pas amis, Harry, Ron et Hermione. Harry et Ron sont amis, parce qu'ils deviennent amis directs dès le Poudlard Express, mais il faut pas oublier qu'Hermione, en fait, c'est juste une élève de Gryffondor qui les enquiquine, en vrai. C'est pas leur ami, et justement, ça va devenir leur ami suite à l'attaque du troll. Allez, on continue. Plus tard dans l'histoire, Harry découvre une cape d'invisibilité et s'en sert de façon surprenante pour un enfant. Au lieu de faire des bêtises comme l'aurait fait n'importe quel gamin, ou comme moi je l'aurais fait, il s'en sert pour se rendre à la bibliothèque.
C'est plus que c'est terrible. Harry se sert de la cape pour une quête de connaissances et non pour de mauvaises raisons. En fait, merci Istar pour ton Prime. C'est ton deuxième mois, je crois que j'ai raté. Et merci Senog pour le follow. C'est vrai que ça revient souvent, le fait que Harry il utilise la cape d'invisibilité pour aller à la bibliothèque. Mais parce que c'est un sage, et je pense que c'est un sardaigle refoulé, en fait, Harry. Alors si vous aussi vous voulez suivre le chemin de l'alchimie, il va falloir partir en quête de connaissances et arrêter les bêtises. Ensuite, l'alchimiste doit passer par une étape indispensable sur la voie, le vitriol. Mais en même temps, je préfère que la cape d'invisibilité soit entre les mains d'un enfant de 11 ans que d'un adolescent ou d'un adulte. Hein. Je pense que ça va, 11 ans, on a encore une certaine naïveté en nous, quoi. C'est un acronyme latin qui signifie... Salut Fanny. Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Ouf. Alors c'est probablement mal prononcé, mais en même temps j'ai fait allemand LV1 moi. Et je parle pas plus allemand que je parle latin d'ailleurs, c'est vous dire. Vitriol en français, ça signifie « visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». Visite l'intérieur c'est de la terre. C'est okay. Exactement ce que va faire notre ami Harry. Accompagné de son soufre et de son mercure, il va aller sous terre, dans les profondeurs du château, pour y trouver la pierre cachée. Après quelques péripéties, il se retrouve face au professeur Quirrell. Mais surtout, Harry se retrouve face à un miroir, symbole d'introspection et de réflexion, qui montre bien que nous sommes dans le vitriol. Un élément essentiel... Imaginez juste si Rogue avait eu la cape lorsqu'il était en cours avec Lily. Ah là là, Ninizoki, tu vas nous faire perdre notre innocence. Le Chapeau lui dit quand même qu'il pourrait correspondre à Serre d'Aigle. Ah ouais, dans le livre ? Attends. Je l'ai en plus, là. C'est réel, ça, Mooney ? Attendez, on va vérifier. Il veut vraiment le... Parce que, certes, il y a une espèce de dichotomie, de duel entre Gryffondor et Serpentard, mais je me souvenais plus de Serre d'Aigle. Attendez, non, j'y suis pas. C'est ouf. Ok, la chanson du Choixpeau. Ok. Ce n'est pas facile, dit une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles également. Il y a du talent et oh, mon garçon, tu es avide de faire tes preuves. Voilà qui est intéressant. Voyons, où vais-je te mettre ? Harry crispa les doigts sur les bords du tabouret. Pas Serpentard, pas Serpentard, pensa-t-il avec force. « Pas à Serpentard ? » dit la petite voix. « Tu es sûr ? Tu as d'immenses qualités, sais-tu ? Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur. » C'est fou comme le film est fidèle. Hein. Dans, dans les citations, c'est toujours fou. Alors non, vraiment, très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Non, le Choixpeau, il cite pas Serre d'Aigle. Après, c'est vrai qu'il dit des qualités intellectuelles. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, peut-être, Mooney. Personne lui dit qu'il pourrait être à Poufsouffle. Non, je pense que... Mais il y a un monde quand même, il y a un monde parallèle où Harry serait retrouvé à Serre d'Aigle. Oh, enfin, il y a surtout une réalité parallèle où Hermione est à Serre d'Aigle, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il parle de qualité intellectuelle. Et là, pour le coup, ça ramène à Serre d'Aigle. Bon, allez, on continue. Ciel de la quête alchimique est sur le point de nous être livré. Ce miroir est la clé qui mène à la pierre. Je ne comprends pas. Est-ce que la pierre est à l'intérieur du miroir ? Faut-il que je le casse ? Quirrell est un homme à double visage. Il montre une partie timide au monde, mais en réalité, il est habité par le mal. Il est incapable de faire la lumière sur ses zones d'ombre, et la spiritualité lui est complètement étrangère. C'est pour ça que face au miroir, il ne se passe rien. Ce qui n'est pas le cas d'Harry, qui ne recherche pas la pierre pour lui, mais pour faire le bien. Il trouve la pierre dans sa poche et c'est un enseignement très important de la quête alchimique. La pierre est en nous et ce qu'on pense trouver à l'arrivée se trouve en réalité au départ. Ça, cette analyse fonctionne parfaitement. Pour moi, Hermione n'est pas du tout une serre d'aigle. Non, c'est sûr, c'est une vraie Gryffondor. Hein. Je vais pas lui enlever sa maison. Mais après, je la vois un peu comme Minerva McGonagall. Hein. Elle a quand même une grosse ascendance serre d'aigle. D'ailleurs, je crois que McGonagall est une Choixpeau floue, si je me trompe pas, entre Gryffondor et serre d'aigle. Il y a pas beaucoup de Gryffondor ou de Serpentard ici. Mais si, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Avec les petites émeutes en plus, vous pouvez mettre en avant votre maison. N'hésitez pas à le faire si vous êtes sub.
Harry est allé au centre de la Terre et après quelques épreuves, il a trouvé la pierre cachée. Mmh. Il a donc réalisé le vitriol. La première étape alchimique est faite, il s'agit de l'épreuve de la Terre, phase de putréfaction. Pour continuer sur la voie, il va devoir maintenant se purifier en passant par l'épreuve de l'eau. Est-ce que t'aimes... Mais du coup, ça veut dire... Si je me... Du coup, la quête alchimique, je pense que c'est le fil rouge des quatre parties, du coup. C'est là où je me suis trompé. Je pensais que ça allait analyser la quête alchimique que sur le premier tome. Mais en vrai, j'ai l'impression que du coup... alors, si on revient aux étapes, c'est chapitre en plus, c'est pas mal. Ah non, il y a que quatre étapes. Mais il y a des œuvres après. Bon, je sais pas comment ils vont s'en tirer. Mais du coup, la théorie, c'est que pour le moment, l'étape de la terre, de la putréfaction, trouver la pierre à l'intérieur, c'est le premier. Après, l'eau, purification, traverser une phase de doute. Ok, peut-être le doute de Harry qui se compare à Voldemort, l'eau. Pourquoi pas la chambre des secrets qui est dans la plomberie de Poudlard. Il y aura peut-être une analyse comme ça. L'air, la spiritualisation, se concentrer sur le spirituel. Ok, je ne sais pas si ça analysera le prisonnier d'Azkaban de cette manière-là. Bon, le feu, je pense que c'est assez évident. Apprendre à contrôler ses passions. Ok, avec la coupe de feu, j'imagine. Et du coup, là, on serait peut-être plutôt sur le 5, 6, 7, l'œuvre noir, blanc et rouge. Je ne sais pas dans quelle direction ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du cerf-d'aigle, du poussoufle, du serpentard. Ouais, désolé, il faut être sub pour avoir les petites emotes. C'est sur les quatre épisodes, en lien avec toute la quête alchimique. Et en fait, un tome égale un cercle dans ton slide. Ok, mais du coup, terre 1, eau 2, air 3, feu 4, œuvre noire 5, œuvre blanc 6, œuvre rouge 7. Peut-être c'est dans ce sens-là. Je sais pas, on va voir. J'attends de voir. Mais en tout cas, bon, il y a quelques éléments intéressants quand même sur l'analyse du premier. L'eau est un élément ambivalent. Elle est à la fois indispensable pour la vie et en même temps, elle a une capacité destructrice incroyable. C'est pour ça qu'en alchimie, l'eau est utilisée pour la purification. Elle peut détruire ce qu'il y a de mauvais et en même temps purifier ce qu'il y a de bon pour le rendre encore meilleur. Au début de l'intrigue, les pensionnaires de Poudlard découvrent un mystérieux message écrit sur les murs. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde! Ces quelques mots terrifiants sont accompagnés d'une découverte pas très joyeuse. Une étrange flaque d'eau près de l'inscription reflète la silhouette inanimée de Mystaigne, la chatte du concierge pendue par la queue à une torchère. L'annonce de l'ouverture de la chambre des secrets fait ressurgir de vieilles légendes, dont celle de Salazar Serpentard, le fondateur de la maison Serpentard. D'après le professeur d'histoire de la magie, on dirait un rappeur Salazar Serpentard, soit plus sélectif au choix des élèves admis à Poudlard. Selon lui, le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et ne pas être enseigné à ceux qui ont du sang moldu. Comme il était en désaccord avec les autres fondateurs, on va regarder les quatre parties. Bon, pas ce soir. Mais avant de partir, il aménage. On va s'arrêter sur la première partie déjà. On l'appelle la chambre des secrets. À l'intérieur, il enferme un monstre qui aidera ses héritiers à se débarrasser de tous ceux qui sont nés de parents moldus, et il scelle la porte de telle manière que seul un héritier puisse l'ouvrir. Salazar Serpentard est donc au cœur de l'intrigue du deuxième film. Et si vous vous demandez quel est le rapport avec l'eau, eh bien, pour le comprendre, il faut aller chercher en dehors de la saga. Le 10 août 2015, J.K. Rowling écrit un petit article dans lequel elle parle des maisons de Poudlard. Elle explique que les quatre maisons sont reliées à l'eau, à la terre, à l'air et au feu, et que leurs couleurs ont été choisies en fonction de l'élément associé. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle nous explique que la maison Serpentard est liée à l'eau. Mettre cette maison au cœur de l'intrigue, c'est faire de l'élément eau un élément central. C'est vrai que la salle commune de Serpentard se trouve sous le lac, par exemple. Ce livre est également une histoire de conduit, celui dans lequel se déplace Mimi Géniard et dans lequel elle fait jaillir de grandes quantités d'eau lorsqu'elle est triste, mais aussi ceux dans lesquels Harry Potter va devoir se déplacer pour se rendre dans la chambre des secrets, située sous un lac. À ce stade de la quête, un sérieux doute va commencer à s'installer.
quand on commence. Après, c'est vrai que pour, par exemple, reprendre ce qu'on disait sur les analyses et par exemple sur les 7 étapes du deuil, je trouve que ici la putréfaction pourrait très bien marcher aussi sur la chambre des secrets. Mais l'introspection, c'est relativement facile. On apprend à se connaître, on n'a pas trop peur de se dire les choses. Ça va assez vite, c'est fluide et limpide, c'est vraiment génial. Par contre, à un moment donné, si vous êtes vraiment honnête sur votre quête, le doute devrait s'installer. Quand on recherche sa vraie nature avec toute l'honnêteté nécessaire, on se demande sans cesse si on se connaît vraiment ou si le cerveau nous a encore mis un filtre devant les yeux. Bah après, professeur Song, je pense que c'est pas vraiment lié à la couleur. Parce que tu dis, oui, serpentard égale vert égale eau. C'est pas plutôt le bleu de Serdaigle. Je pense que ça se résume pas juste à la couleur. Mais faudrait relire cet écrit de J.K. Rowling sur les couleurs. Je me souviens plus. Pour le comprendre, il faut aller chercher en dehors de la saga. J'ai pas trouvé l'élément de l'eau dans le livre. Donc j'ai été chercher ailleurs. Ah, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Mais après, c'est vrai qu'il y a l'univers étendu de Harry Potter a quand même son importance. Parce que J.K. Rowling, à l'époque, avant qu'elle raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, elle a continué d'écrire sur Harry Potter, et notamment via Pottermore. Merci Anthony pour ton follow, et merci Fanny aussi pour ton follow il y a 4 minutes. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. On continue. Mais oui, comme je disais, par exemple, la putréfaction, je pense qu'on pourrait en faire toute une partie sur la chambre des secrets, ça marcherait aussi bien. Et puis aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que globalement, le 1 et le 2, mais c'est aussi un reproche qu'on peut leur faire, ont énormément de similitudes dans la construction de leur récit. C'est-à-dire que, parce que dans le, par exemple, là, dans l'analyse de la putréfaction et du vitriol, Harry qui doit s'enfouir sous Poudlard, sous la terre de Poudlard, pour aller chercher la pierre, aller chercher la vérité. Bon, bah, dans la chambre des secrets, on est un peu dans le même délire quand même. C'est-à-dire que Harry doit découvrir un espace secret caché sous Poudlard pour découvrir la vérité et affronter à nouveau Voldemort. Si vous prenez juste ce synopsis basique, simple, il s'accorde à la fois au 1 et au 2. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un effet de répétition dans le 2 qui est indéniable. Et qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres tomes. C'est-à-dire que les histoires deviennent complètement différentes. Enfin, en tout cas, le récit s'oriente vers quelque chose d'à chaque fois singulier et bien caractérisé dans chaque tome. Mais le 1 et le 2, on sent que dans le début de la saga, il y a quand même beaucoup de similitudes entre le premier et le deuxième volet. Mais c'est mon avis, c'est ma petite analyse, comme ça, en temps réel, quoi. Après le début de l'introspection, que ce doute arrive, et même Harry n'en est pas à l'abri. T'as pas remis trop de fumée, là, Mika ? Oui, bien sûr. Je vais vous lire pendant la pub. Clairement, Rowling avait trouvé la bonne recette pour dérouler son premier récit. Elle a réutilisé une recette qui marchait dans le deuxième. Après, elle a level up. Je suis d'accord avec toi, Maraudeur. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Serpentard, salle commune sous le lac. Haut. Poufsou, salle commune au rez-de-chaussée à côté des cuisines. Terre. Serdaigle, salle commune tout en haut du château. Air. Attends, je vais peut-être passer des pubs là. L'air. Ouais. Mais à part les couleurs et le tempérament, je vois pas le lien entre Gryffondor et le feu. Vous en pensez quoi ? Faudrait lire l'article de J.K. Rowling. Je ne sais pas s'il y a le détail. Gryffondor et le feu. Le feu du Griffon. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que pour le coup, là, le feu correspond à la couleur. Après, l'air, le ciel bleu, oui, ça pourrait correspondre. Parce que je disais tout à l'heure que la couleur des maisons et des écussons ne correspondent pas du tout. Mais en vrai, si, hein, par exemple, le jaune avec la terre. Chaque salle commune fait penser à un élément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on bute peut-être un peu sur la salle commune de Gryffondor, je suis d'accord. Par contre, les sorciers kiffent trop être sous terre, c'est ça. Allez, on continue. Au long du deuxième opus, il est rongé par son venin intérieur, car sa capacité à parler le fourche-langue le rattache immanquablement à Salazar Serpentard. Il s'interroge sur son identité. Il se demande s'il n'est pas l'héritier de cet obscur personnage. Ça, c'est vrai que c'est tout le fil rouge. Il doute de sa bonté. Du 2. Il poursuit sa quête en se rendant dans la chambre des secrets, et c'est ici que l'on aperçoit pour la première fois la dualité entre deux figures alchimiques très importantes, le phénix et le serpent.
Sur cette représentation de Nicolas Flamel, on voit le phénix en haut et le serpent en bas. Car comme on le voit sur cette autre représentation, le phénix est volatile et représente le supérieur. Le serpent, quant à lui, est fixe et représente l'inférieur. S'ils forment tous les deux un Ouroboros, c'est parce qu'ils ne sont pas ennemis, mais complémentaires. Et Harry va nous en faire la démonstration. Dans un premier temps, il va se faire mordre par le basilic et son venin va se répandre dans ses veines. C'est un liquide chaud ça, par et contre, corrosif je savais pas que c'était qui va brûler les impuretés. Un véritable dessin de Nicolas Flamel, hein, c'est intéressant. Hein. Du phénix là, pour le coup, qui va venir je pense que c'est conscientisé de la part de J.K. Rowling. L'eau a un pouvoir destructeur et purificateur, à l'image du basilic et du phénix. Le venin du premier dissout les impuretés et l'eau du second nettoie et purifie. Ok. À la fin de chaque vidéo, je vais faire un résumé pour essayer de tirer la quintessence de chaque livre et pour vérifier si Harry est toujours sur le chemin de l'alchimie. Le premier livre, Harry Potter et la pierre philosophale, est placé sous le signe de la terre. C'est une étape de putréfaction. Harry a réalisé le vitriol, c'est-à-dire qu'il est descendu au cœur de la terre pour trouver la pierre qui était dans sa poche. Car la matière première de la quête alchimique se trouve en nous. Le deuxième livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets, est placé sous le signe de l'eau et c'est une étape de purification. Cette phase de la quête alchimique est celle du doute. Je suis d'accord, Dans l'étape précédente, on a trouvé la matière première, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. On se demande si on est légitime ou non, et rien n'est certain à ce moment du chemin. Dans le livre, Harry se pose beaucoup de questions, notamment parce qu'il vient de découvrir qu'il sait parler le fourche-langue. Le fait de douter nous permet de séparer les bonnes et les mauvaises pensées, ce qui est nécessaire avant de passer à l'étape suivante. Les deux premières phases sont accomplies. Harry doit désormais continuer son chemin vers les épreuves de l'air et du feu. Ok, ok. C'est intéressant. Effectivement, les analyses comme ça, comme je disais au début... Je vais changer... Hop, vous allez revenir avec moi. Comme je disais au début, moi, j'adore en consommer, même si je regarde pas cette vidéo, en vrai, mais j'en lis beaucoup. Et je trouve ça passionnant. À chaque fois, j'ai toujours un petit esprit critique, ou en tout cas, j'ai toujours un peu de scepticisme en moi, dans le sens où je trouve que effectivement, quand on essaye de prouver que, bah, par exemple, putréfaction, purification, ça s'accorde au 1 et au 2, il y a des arguments, c'est sûr, c'est assez convaincant, mais on pourrait très bien aussi prendre le truc à l'envers. Et je pense que sur des arguments tout aussi convaincants, je pense qu'on pourrait très bien dire, vous voyez, le 1, on est dans la purification, et le 2, on est plutôt dans la putréfaction, je pense que ça marcherait tout autant. Donc c'est un peu ça la limite. Des analyses comme ça qui vont dérouler tout un plan. Et c'est pour ça que ouais, quand on comparait aux 7 étapes du deuil, je trouve que c'est une bonne comparaison, parce que effectivement on est sur un peu la même idée d'analyse, c'est-à-dire tout un plan de base, voilà, par exemple la quête alchimie, toute la saga Harry Potter, les 7 livres d'Harry Potter correspondent à la quête alchimique, de la même manière que, vous voyez, la saga Harry Potter correspond à chaque étape du deuil. Bon, bah voilà, après, c'est toute une liste d'arguments pour essayer de prouver que c'est vrai, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis toujours un peu critique par rapport à ce type d'approche. Mais néanmoins, c'est intéressant. Enfin, et puis, ça soulève des vrais éléments. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pas convaincu que toutes ces étapes soient conscientisées par Rowling, certains éléments, oui, mais pas forcément un tome égale une étape alchimique. Par contre, c'est un parallèle très intéressant pour en apprendre plus sur ce sujet. Alors ça, c'est sûr que... Et puis, je pense que c'est le vrai intérêt de cette vidéo. C'est vrai que ça doit passionner... Je sais pas si la chaîne est tenue par ce YouTuber, ou si c'est un collectif, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que l'idée première, c'est effectivement... de mettre en avant l'alchimie par le biais d'Harry Potter. Et pour le coup, ça, c'est très réussi. Hein. Je pense pas que ce dessin vient de Nicolas Flamel. Ce n'est pas un alchimiste dans la vraie vie. C'est une réputation qu'il avait à cause de sa richesse. Et ben, on va regarder ça. Parce que dans la vidéo, c'est vraiment présenté comme un dessin de Nicolas Flamel.
Et c'est vrai que sur le format vidéo, ce qui est toujours par rapport à un article, c'est les sources sont toujours assez obscures parce que c'est beaucoup plus difficile, évidemment, dans la forme de sourcer une vidéo, même si après on peut tout mettre en description, etc. Mais c'est surtout qu'une vidéo aussi de base, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas le temps, il n'y a pas de notes de bas de page quoi, dans une vidéo. Ouais, dans Google Images comme ça, je vois pas, mais j'ai tendance quand même à croire le créateur de la vidéo et que c'est bien un dessin de Nicolas Flamel. En tout cas, c'était assez convaincant, non? Là, je le trouve pas, mais après, il faudra peut-être faire une recherche un peu plus poussée. Putréfaction, c'est vraiment pas un joli mot, je trouve. On est d'accord, on est d'accord. Je vais remettre un petit peu de musique. Voilà. Ah, j'ai oublié de remercier Moon Potter pour ton premier mois, il y a 3 minutes. Désolé, je crois pas t'avoir remercié. Merci beaucoup, Moon Potter. Ça fait trop plaisir pour le soutien. Désolé, Jérémy, on est un peu hors sujet. Non, mais vous avez le droit de parler entre vous, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est intéressant. On regardera la suite. On regardera la suite en stream, en vrai. Moi, hein. Ouais, ça m'intéresse. On va pas tous regarder d'un coup. Je pense que ça fait beaucoup. Surtout que voilà, il y a beaucoup d'infos. Hein. C'est vrai que j'étais d'accord avec Song, je crois, tout à l'heure. C'est bien de faire un petit résumé à la fin de chaque vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Non, mais c'est une analyse intéressante. Je la prendrai pas, genre en mode. Ça m'ouvre pas particulièrement un nouveau regard sur la saga. Par contre, ça m'en apprend sur l'alchimie. Et je crois que tout l'intérêt de la vidéo est là. Et puis en plus, c'est bien fait et tout. C'est bien filmé, bien produit, bien monté et tout. Franchement. Beau travail, de toute façon, je me suis abonné. Mysteria, je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est qui c'est qui m'avait conseillé ça? C'était conseillé par NinBNC. NinBNC. Eh ben, merci NinBNC, en vrai. On peut peut-être faire une seconde et dernière vidéo, si ça vous dit, sur un truc un peu plus léger. Je vois qu'il y a une rap battle. La chanson du chapeau magique, mais je crois que je la connais déjà. Ah, vas-y. On va faire un truc plus léger, là. Et ceux qui m'ont envoyé d'autres liens, on les fera plus tard. Hein. Alors, peut-être pas toutes. Par exemple, la vidéo de Mélodie Weasley sur la fin d'Harry Potter sur YouTube, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En plus, je pense que dans le chat, peut-être que vous êtes abonné à des chaînes YouTube. Mais je la garde de côté pour un prochain stream. Et en plus, je me suis dit, bah, peut-être pas celle-là maintenant, parce qu'il y a tout un chapitre consacré à J.K. Rowling. On en a déjà parlé la semaine dernière, puis j'ai pas forcément envie tout le temps de parler de J.K. Rowling à chaque stream, en tout cas. Mais en tout cas, l'alchimie, là, c'était validé. Comme je disais, ça m'ouvre pas forcément un nouveau regard, mais en tout cas, on apprend des trucs, et c'est plutôt bien fait, c'est assez divertissant. Et en parlant de divertissement, je pense que celle-là va l'être, en tout cas, c'est le but. Un rap battle sur Chapeau Magique, vous connaissez? Attendez, ah oui, vous voyez pas. Ta-da-da-da. Par contre, j'espère que ça va pas strike. On regarde ça ensemble. C'était copieux, quoique digeste, exactement. Je suis chaud, ok. Vous regardez Félix Felicis, Ben HPTS, Xionixes. Ok, là, on a contacté Xionixes au fait. Hein. On essaie de se faire un enregistrement. On va essayer de faire ça. En tout cas, il est chaud. Ce serait trop bien. En plus, je pense que ça serait trop intéressant de l'avoir. Comme on a reçu Brian, comme on a reçu Maïva, par exemple, de Félix Felicis. On aimerait bien recevoir plus de youtubeurs en vrai. Même si on a beaucoup qui. Enfin, il y en a certains là qui arrêtent un petit à petit. Justement, la vidéo de Mélodie Whistler traite de ça un peu. Une espèce de fin de cycle comme ça des youtubeurs Harry Potter. Mais par exemple, Brian est toujours actif, Xionixes l'est aussi. Et avec du contenu intéressant, et ça serait trop chouette de l'avoir. Ça serait trop bien si vous réussissiez à l'avoir. Oui, on essaye en tout cas. On essaie de faire un petit featuring sur un prochain podcast.
Bon allez, le Cupidon Rap Battle Volume 3, Harry Potter, la chanson du chapeau magique. J'espère que ça va pas partir sur un strike, mais en tout cas on écoute ça. Quand j'appellerai votre nom, vous avancerez. Vous placerez alors le C'est le grand soir, t'es à Poudlard, t'as plus de temps pour hésiter. Viens donc t'asseoir, faut t'avancer, te poser sur mon tabouret. Ça tu le sais quand tu t'inscris dans mon château. Mais tu te tais quand tu te coiffes du choix. Si McGonagall, c'est cool de... À la mesure de ma gaule sur un tir mix français. La baguette échelle, la costette et le cœur pur, je te mets sale sur demande. Même tes élèves en redemandent. T'es comme que de verre, tu fais le sérieux pour pouvoir plaire au chef de bande. Je te mets sale sur demande. Attendez, je te laisse. C'est la posture, t'es mal à mesure de ma gaule sur mon protégo, à casser ta baguette, j'ai la costette. Attendez, quoi? Ouais, ça tu le sais quand tu t'inscris dans mon château. Mais tu te tais quand tu te coiffes du choix. Si McGonagall c'est ma gossure, t'es mal à mesure de ma gaule sur mon protégo, à casser ta baguette. Ah oui, ok, ok. T'es le cœur pur, je te mets sale sur demande, même tes élèves en redemandent. T'es comme que de verre, tu fais le sérieux pour pouvoir plaire au chef de bande. T'es tout au fond du rang avec ta paire de multiplets. Je m'emballe au patronus, le nez dans la poudre de cheminée. Si je le dessine, je te nique. Quasi sans tête, je vois que ça t'effraie, mais ce sera chouette, on part à toi dans la cassette. J'ai pas de temps à perdre à m'épancher sur un crack molle. Et si t'es pas chauffé à mort, t'as rien à faire dans mon école. La barbe d'un érudit, la lame ornée de rubis. Y'a qu'à me regarder dans l'âme pour m'entendre rugir. T'es comme le rusard de Tinder, oh, je te mets, oh, et tu détales, oh. Mon texte est si philosophal, je te mets à walp dans la grande salle. Bah on en parlait. De nous, c'est Griffon, on est dans le thème. Autres, j'ai envie de dire. Un peu comme Jésus et ses apôtres. Tellement de feu sans allumette, je RPZ les griffons d'or en double double trouble fête. Baguette et nimbus plaqué or, je me démarque et je dénote dans le décor. Tu sais, sur le terrain je suis la marque, t'es le sponsor. Tu sais, de toile de fond comme Créola. T'es le sidekick dans le sidecar, je suis carnivore, mon flotte qui comme Serpentard. Aux trois balais je te paye la tisse, c'est moi qui gère la partition. Et mon chapeau qui joue la répartition. J'ai de l'ardeur et du courage, de la passion et de l'audace. Sois pas fâché, c'est bien connu, les griffons d'or sont efficaces. Tabasse de cicatrices, rap de griffons d'or. J'ai le sang chaud si tu m'allume, je te mets capot. J'ai pas besoin d'un héritier pour ça. Y'a des rêves, y'a des rêves. Ma chambre est vide de secrets, mon verre est rempli de tes larmes. La coupe en feu, je te fume sec et dédicace à tous mes fans. Mais j'y peux rien, je suis comme Simus, je suis pyromane. Il gère, ouais, ouais, y'a de la recherche dans le texte. Hein. Y'a pour chaque maison. Ah ouais! Pour une soirée réussie, de la musique, quelques années, un geste de magie. D'être en tête en bulle, à la mémoire de Cédric, t'as pas l'air bien, prends quelques bulles et une bouffée de ma botte panique. Mais tu bats et tu paniques, car les bises égocentriques n'ont pas le cœur, pas de patience et peu d'esprit. Ok, Poussou, c'est hippie reggae direct. Un geste pour autrui ta doléance, à l'apparence, c'est la saveur de l'écotrie. Ils sont passés nos valeurs, qu'avons-nous fait de nos principes? J'ai la capacité à t'ignorer avec l'honneur de ton gorille, pas d'irrespect dans ma cuisine. T'es oublié comme un souvenir dans la pensée. En jaune et noir, je suis un tueur dans un polar. T'es le prototype d'un prototype comme un relent de polynectar. Je te laisse me voir, t'es pétrifié dans un couloir. Ton seul désir, te contempler dans un miroir. Notre morale est optimale, il faut y goûter pour y croire. Que de l'amour dans mes dortoirs quand on me chatouille la poire. Avec ta tête d'épouvantard, tu fais le gars. Quand pouf souffle, à bout de souffle, porte Poudlard à bout de bras. J'ai l'insigne de préfet, mais je me ramène en tongue. Est-ce que les pouf souffle dans le chat se reconnaissent ou pas? Et la classe de tongue. La bout de souffle, porte Poudlard à bout de bras. Tu n'as pas su te dépasser puisque la vie n'a pas de sens. Si tu n'es pas prêt à te battre au nom de toutes les existences, tu perds ton temps. Ah ouais, je les héros. En attendant, tu t'es fait pêche par un blaireau. Oh là, Serdek, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Je suis dans ma tour d'astronomie. Quand tu me nargues, je t'isole. Personne te voit que le muscule comme un narcol. J'ai pas ton temps, mais si le devoir m'appelle, ouais. Je me réveille et je m'élève à la puissance de mes selles. Je me démène, mais te respecter par amour de la selle. Je me délaisse de péter. Oui, un peu. Et si tu me pèses, je résoudrai tous tes problèmes. Parce que ton texte me fait de la peine. Je récolte ce que je m'aime, bien plus que tu ne te détestes. Vois ta détresse dans les reflets de mon diadème. J'ai l'infortune de maîtriser vos crises de bec. Je fais crise mine, mais je l'assume parce que ta plume me dépecte, ouais. La discipline, c'est mon domaine, je m'en délecte. Et ma devise pour s'élever, faut de l'esprit et de l'affect, ouais. Parce que du haut de ma falaise jusqu'aux abysses de la mer, l'écho de tes rimes amères ne s'entend pas. Un peu comme Luna, toujours la tête dans les étoiles, je lève le voile sur mes toiles et m'envole au-dessus de toi, ouais. Je suis la reine de la princesse. Dans mon palais, y'a pas de place pour la paresse.
Je sens ta faiblesse et te serre l'hélicorpus. En un seul soir, je te monte en l'air et m'assagis à la seule magie de mes gènes. Le son de force de l'élite la plus sincère, féroce et populaire et fière d'une volonté de faire. Pour le reste, c'est l'intellect et la sagesse. Comment me taire quand ma parole est une caresse? Je peux tout faire, je n'ai jamais le boulot qu'il y a derrière. J'ai ça volé ma réussite lorsque la tienne est fortuite. En ces perspicaces performances académiques et le blaze de bronze dans la classe de flic tweet. C'est travaillé de fou! Finalement, je connaissais pas l'isolant, c'est la première fois que je le vois. Ouais, Serpentard, j'ai peur. Ok, ça va être du sale. Du sale comme Serpentard. Je t'amène le bézoa. Ma gueule te revient pas, je t'invite à faire preuve d'un peu plus de respect. Tu parles à Serpentard, je te casse les os comme un cognard. À l'aise dans mon cachot, je pétave un magar. Viens me voir à l'école si tu veux faire du sale. Je suis hal pour couler, l'aime rôde à Poudlard. On a de l'ambition, on est toujours pur. On a la détermination parce qu'on est toujours pur. Hors de ton temps, t'es dépassé. Je suis visionnaire dans le passé, tensionnaire dans le tur. Je te regarde et t'es dead. Je te laisse terroriser, mais j'ironise en scred. Tu vends tellement pas de rêve. T'es la risée du miroir, tu ouais, c'est et ça et le pas sale. Putain, je me tape des bas en voyant ton butin. Tu te voiles la face et tu craches ce limite. Ça va, toi, Vince? Des bas, mon Imbus 2001. T'as voulu faire le show, j'ai perdu mon sang-froid. Dommage, c'est hyper bien produit, en vrai. Catégorie à la fin du tournoi. J'ai le contrôle de tous tes vices. Droit de parole sur tous tes maléfices. Comme Dolores, je t'entends, Doloris. Le talent qui coule par tous les orifices. Faire taire vos supplices de Rasta blanc. Appelle la police, j'ai pas peur d'Azkaban. Le monopole de la malice. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cicatrice. Si tu viens faire le cash, te roule le placard. On part de ton chemin, on est une âme 3 milliards. J'ai pas besoin de t'écouter pour savoir ce que tu penses. Pas besoin de permission pour mesurer tes compétences. Quand tu commences, moi j'ai fini. À peine assis, t'es réparti, je suis déjà parti. GG. C'est quoi, c'est... Ouais, c'est un générique après. Wow, le... c'est hyper bien produit en vrai. Non, c'est cool. C'est quoi comme chaîne en vrai? Non, on va regarder un petit peu la chaîne. Le Cupidon. Putain, le boulot qu'il y a derrière la vidéo. 7 minutes hein, quand même de clip. Hein. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça à l'arrache. Ça me fume. Ah, à la base, d'accord, il y avait. Et là, on a regardé la vidéo qui résume un peu tout. Ah non, c'était des extraits. Ok. Il y avait déjà eu la rap battle volume 2 sur Bref versus Bloqué. Ok. Et le premier volume, c'était Kaamelott versus le visiteur du futur. Ok. Et ça date de quand? Ah, c'était déjà il y a 3 ans. Ah ouais, ça date. Et ils font plus rien. Ah oui. Ils font plus rien depuis. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien produit. Ah, ils en ont fait un. Ils en ont fait un cinquième sur Le Seigneur des Anneaux. Les répliques cultes du Seigneur des Anneaux. Ok, et c'était il y a 2 ans. Stylé, stylé. C'était bien. On a fait une vidéo voilà, d'analyse, laquelle t'as alchimiste, alchimiste, je crois, par la chaîne YouTube Mysteria, avec beaucoup de références, beaucoup d'infos, etc. Et là, un peu plus sur le divertissement, c'était cool. C'était cool, du coup, c'est assez équilibré, j'aime bien. Je vous remets un petit peu de musique. Hop. Et puis, non, c'était cool, j'ai bien aimé. Je garde quelques liens de côté. N'hésitez pas à balancer d'autres vidéos sur la chaîne, enfin, sur le salon Stream 9¾ dans le Discord. N'hésitez pas, je vous remets, si jamais vous n'êtes pas sur le Discord, il y a une petite commande Discord. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le serveur de façon générale parce qu'il s'y passe des trucs cool, plein de discussions différentes. Et puis, il y a un salon vraiment consacré au stream. Et donc, du coup, si vous voulez que je réacte à une vidéo, n'hésitez pas à balancer. Je regarde vite fait chaque lien. Et puis, j'en sélectionnerai quelques-unes sur un prochain stream. Un peu cliché, ouais, mais c'est le but du coup. C'était de faire un cliché sur chaque maison. Je pense qu'ils ont un peu plus galéré en vrai sur Poufsouffle et Serdaig parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc voilà, mais du coup j'ai bien aimé les segments Gryffondor-Serpentard. Je trouvais ça cool. C'est très drôle mais très bien fait et technique entre les multiplettes et les bézoards. Ouais, franchement, il y a des refs. Hein.
Il gère bien, même si j'aime pas le rap à la base. Ouais, mais justement, en parodie, pas besoin d'aimer le rap et tout, c'est cool. Jérémy, tu parlais de goodies il y a quelques temps. À quand un hoodie? Je te mets sale sur demain. Ouais, mais là, il y a un copyright, là. Même si ça date de 3 ans, il y a un copyright. On pourrait pas faire ça. Ils vont porter plainte. Mais par contre, j'approuve la petite punchline, quoi. Je te mets sale sur demande, j'adore. Et un stream de vos livres Harry Potter bientôt, Jérémy? Si tu t'entends quoi, Lydie, par vos livres Harry Potter? Genre les livres qu'on a en collection? Moi, ça ne marche pas le Discord, je n'ai que le salon, le chicaneur. Bah, comment ça se fait, Samoni, j'ai du genre? Non, normalement, tu débloques tout. N'hésite pas à envoyer un... Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux? N'hésite pas à envoyer un message privé au compte fréquence 9¾, le compte admin. Ah, tu n'as peut-être pas validé ton compte. Ah, on a l'architecte dans le chat. Ouais, parce que là, je peux pas trop t'aider en soi, à part t'orienter vers Cédric ou un autre préfet. Je ne connais pas assez la technique du Discord. Vous avez écrit des livres sur Harry Potter avec Marina? Non. Mais je pense que Lizzie faisait allusion, peut-être passer en revue les différentes éditions. Je suis une quiche sur le Discord, j'y comprends rien perso. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, ouais. Ouais, votre collection et petite review de ce que vous pensez des livres autour de l'univers. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, on a encore des livres à découvrir. Là, par exemple, le livre qui était cité au début de la vidéo là, de Mysteria sur l'alchimie, je ne connais pas du tout ce livre. Des fois, il y en a qu'on évoque dans le podcast, mais on ne les a pas tous lus. D'ailleurs, pour la plupart, on ne les a pas lus. Donc, mais oui, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Moi, je veux un live présentation des chats. Bon, ça, on les a, on les connaît bien, on les a sous la main, on pourrait. Même si Woody, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que pour que Woody reste tranquille et calme devant une caméra, va falloir y aller. Bon, pour Sirius, ça serait plus simple. Ils sont pas là. Ils m'abandonnent, les chats, ils sont pas là. Il y a une nouvelle demande de validation des comptes. Il faut aller sur le salon validation et cliquer sur le bouton vert Verify. Ah, ok. Du coup, c'est propre à notre Discord ou c'est tout le monde sur Discord doit faire ça? Sérieux, c'était présent la dernière fois. Ouais, des fois, il vient me rendre visite. Et du coup, il vient vous rendre visite à vous. Ouais. Mais non, c'était cool. C'était cool. Bah, de toute façon, les streams sont pas... voilà, comme je stream vraiment qu'un soir par semaine, il n'y a pas de programme défini. Mais on pourrait très bien continuer les réacts la semaine prochaine, par exemple. Il est quelle heure? 22h25. Est-ce qu'on se fait un hibou sonore? Je sais que vous aimez bien ça. On s'en fait un et puis on se dit bonne nuit. Ça vous dit? Ouais, c'est propre au serveur. C'est propre au serveur, pardon. C'est une sécurité que j'ai ajoutée pour éviter les doubles comptes et les risques de raid sur le serveur. Ok. Donc il faut valider son compte, les amis. Yes, pour un hibou sonore. Ok. Ouais, mais ça me met un message en anglais, je comprends pas l'anglais. Ouais, je sais que Discord, ça peut être un peu galère pour ça. Ça peut être un peu galère. Alors, attendez... Mais oui, par contre, Lydie, j'y réfléchirai au livre. Parce que même si on connaît pas tout, évidemment, il y a des livres qu'on pourrait vous présenter, quand même. Enfin, en tout cas, moi, parce que c'est plus moi qui est sur le stream. Mais notamment, je sais que le livre sur la philosophie dans Harry Potter qui a été écrit par Marianne Chaillon, par exemple, j'ai un très bon souvenir de lecture de ce livre, donc je pourrais vous le présenter un petit peu, même si ma lecture est assez lointaine. J'ai quand même d'autres livres sur l'univers d'Harry Potter, mais faudrait quand même que je les ai en tête pour vous les présenter, donc faudrait que j'y réfléchisse, comment je fais ça. Je n'ai qu'une philosophie. Je suis arrivé 10 minutes en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé à un moment, mais est-ce qu'avec Marina, vous avez des nouvelles par rapport au bal des sorciers? Oui, nous avons des nouvelles. On y sera très certainement.
On n'a pas encore officialisé la chose, mais on est en train de voir sur ce qu'on peut faire. Mais voilà, on est en échange de mails avec, avec Magical Events. Parce que nous, en fait, quand on se rend à un événement, nous, ce qui nous intéresse de faire, forcément, c'est des enregistrements. Alors, on aime bien avoir un petit stand. Mais là, l'idée, ça serait de faire au minimum un enregistrement. On est en train de voir, parce que comme du coup, le bal des sorciers, il est sur 2 jours, pourquoi pas faire un enregistrement par jour. Mais par contre, c'est pas encore défini vraiment ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait, par exemple, 2 chapitres? Parce que comme du coup, on a quand même une relecture qui est assez longue. J'aimerais bien quand même qu'on, même si on enregistre ça dans un événement, qu'on ait quand même la formule de relecture de chapitre classique. Bon, on est en train de voir les détails. L'idée, ça serait ça, d'y aller et d'enregistrer peut-être 2 épisodes là-bas. Voilà. On va officialiser ça très très vite. Et du coup, on publiera sur les réseaux sociaux qu'on y va. Voilà, voilà. Là, on est toujours un petit peu en train de régler les détails, en fait. Pour Magical Events, et on est en train de faire la même chose pour un événement qui aura lieu au Havre au mois de novembre, qui s'appelle la Convention des Sorciers. Donc là, c'est un petit peu plus loin dans le temps, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en plus, comme le Havre, c'est pas très loin de chez nous, c'est une boutique Harry Potter qui organise pour la première fois une petite conférence sur Harry Potter. Enfin, je dis petite, ils auront quand même 2 ou 3 acteurs de la saga. Et là, pareil, on aimerait bien enregistrer un podcast sur place. Et l'orga est chaud et tout, donc on est en train de régler les détails. Le bal des sorciers, ça arrive assez vite, hein, parce que c'est... c'est quoi les dates exactes? Que je vous dise pas de bêtises. C'est au mois de mai, hein. Le bal des sorciers... Le bal... les dates exactes, c'est... le 10 et le 11 mai 2024. En sachant que c'est un vendredi, un samedi... mais c'est un vendredi de pont parce que le mercredi et le jeudi c'est férié et par exemple il n'y a pas école en fait, les écoles sont fermées le vendredi, mais après bon, si vous pouvez pas y aller le vendredi, sachez que le 11 mai c'est un samedi. Voilà, je vous balance le lien à nouveau dans le chat. Je pense très certainement qu'avec Marina on va y aller. Je préfère pas vous dire que c'est officiel, qu'on y va c'est sûr, parce que tant que c'est pas signé, mais en tout cas, on est assez chaud et je pense que ça va se faire avec l'orga, quoi. Top, Moni, j'ai du zard. C'est cool que tu sois sur le Discord. En région parisienne, perso, mais niveau Harry Potter, c'est un peu vide ici. Le truc, c'est qu'il faut se déplacer un petit peu, en fait. Par exemple, le bal des sorciers, c'est à 1 heure de Paris, au nord de Paris. Et le Havre, c'est pas très loin de Paris non plus. Vous venez au Havre? Ouais, très certainement, Lizzie. Très certainement. Encore une fois, c'est pas officiel, mais je pense que ça va se faire. Pour les Lyonnais, il y a un quiz Harry Potter dans un bar à jeux mercredi. Ok. On n'est plus de Lyon, malheureusement. Bon, on se fait un petit... on se fait un petit hibou sonore. Ah, attendez. Quel petit hibou sonore nous allons sauver, mes amis? C'est un petit hibou qui se retrouve tout seul parce qu'il n'a pas été sélectionné, le pauvre. On va écouter Camille. Camille, et c'était un message sur Messenger. Et je pense que Camille est dans le chat. Parce que je reconnais, enfin, si je dis pas de bêtises, mais je reconnais le tag Instagram et ça me rappelle quelque chose dans le chat. Mais peut-être que c'est une coïncidence, mais je ne crois pas. Dis-nous, Camille, si tu te reconnais dans le chat. Hop, je vais supprimer l'étiquette, couper la musique, et on écoute Camille. C'est parti. Coucou la fréquence, bonjour au chat. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour autant le podcast que pour une petite chose en particulier. C'est-à-dire les mentions de traduction que vous faites, tant pour nous amuser pour les différentes trades qu'il y a dans les autres langues, que pour la traduction de Jean-François Ménard en français, pour souligner les difficultés de traduction, et aussi à quel point, en fait, malgré les petites coquilles,
Vraiment, c'est un travail monstrueux qu'il a abattu. C'est Et vrai. donc, voilà, je voulais absolument le dire parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour ce hibou sonore, je voulais rebondir sur un sujet qui est souvent évoqué à la fréquence. Vous dites souvent que dans Harry Potter, les personnages sortent de l'école à vers 18 ans à peu près, 17-18 ans. Oui, donc Camille, c'est bien toi, c'est Professeur Sang dans le chat. Ok, ravi d'entendre ta voix. Qui se marient, qu'ils ont des enfants assez rapidement. Et en fait, je pense que ça s'explique assez facilement. Donc moi, pour vous expliquer, moi, je trouve qu'il y a deux modèles. Donc il y a la période que j'appelle Maraudeur et la période que j'appelle de Golden Trio. Dans les deux cas, en fait, c'est des périodes de péril. Les jeunes, ils vivent dans une constante peur de mourir. Ils doivent se positionner dans un combat parce que c'est la guerre. Ils doivent se battre avec l'Ordre du Phénix d'un côté, l'AD de l'autre. La guerre, c'est un point commun en fait à ces deux périodes. Et donc je pense qu'on a vécu une telle période de stress constant, de peur de mourir et de voir des amis mourir et donc de peur de pas avoir le temps de vivre, on veut vivre en fait en accéléré et tout expérimenter avant qu'il soit trop tard. Du coup, je pense que J.K., en écrivant l'histoire de ses personnages, en les faisant se marier jeunes, en ayant des enfants tôt, en fait, je pense qu'elle voulait retranscrire ce sentiment qu'ont ces personnes ayant vécu de telles périodes de troubles, ce besoin urgent de vivre. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, des bisous. Bah merci Camille ou devrais-je dire professeur Song. non c'est intéressant. En plus on en parlait, je crois au début du stream quand on évoquait l'âge des acteurs adultes et qu'effectivement c'est un petit peu abusé dans Harry Potter le fait que bah dès que les élèves sortent de Poudlard qu'ils ont terminé leur scolarité ils fondent des familles ils font des enfants. Mais c'est vrai que du coup tu apportes un nouveau prisme de lecture par rapport à ça, c'est celui de la guerre et le fait que effectivement que ça soit la génération des parents de Harry ou la génération de Harry elle-même, effectivement ce sont des générations qui ont toutes les deux connu les guerres, la première guerre des sorciers et la deuxième guerre. Et effectivement dans cette période de guerre et d'incertitude et de mort qui rôde, effectivement, peut-être le fait ça peut expliquer en partie pourquoi les sorciers ont l'air de fonder des familles et de faire des enfants jeunes. Ouais, ça peut être une analyse pertinente. Effectivement. Mais je sais pas si ça se vérifie démographiquement dans la vie réelle, ça. Est-ce que la guerre, enfin par exemple un territoire, un pays qui connaît la guerre. Est-ce qu'on voit sa démographie augmenter? Enfin, il y a les bébés boom, mais qui sont conséquents à la guerre, en fait. Alors que là, par exemple, si on prend le cas de la génération des parents de Harry, enfin les James et Lily ont Harry pendant la guerre, quoi, en pleine guerre même. Du coup, on n'est pas dans un baby boom classique, on connaît par exemple des guerres moldues. J'avais la flemme d'aller regarder les chiffres post-guerre mondiale. Mais ça, par contre, ça c'est sûr, tu vois. Ça c'est sûr que la fin d'une guerre égale baby boom. Après, là, on est. Mais là, j'ai l'impression que ton argument, c'est pas vraiment un argument de baby boom post-guerre, c'est plutôt un argument de pendant la guerre. Est-ce qu'on ne fait pas des enfants parce qu'il faut vivre vite en fait? Et que comme le danger est partout, bah, il faut vivre sa vie à 1000 à l'heure parce qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Enfin, je l'ai compris un peu comme ça en fait. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. C'est l'inverse, non? La génération d'Harry est peu nombreuse, 5 gars Gryffondor sur leur année. Ah, ça, c'est toujours. Les trucs de statistiques, c'est toujours un peu flou dans Harry Potter. C'est dur de savoir. Parce que, en fait, ça, c'est un argument pour dire. Ouais, en fait, à Poudlard, il y a beaucoup plus d'élèves que ça en a l'air, parce que même si bah, dans l'année de Harry, par exemple, ils sont pas beaucoup, c'est pas une généralité sur toutes les autres classes à Poudlard, mais c'est justement à cause de la guerre, eh ben, on n'a pas fait beaucoup d'enfants, et c'est pour ça que, bah, par exemple, la génération de Harry, il y a peu de monde avec lui dans la classe, et que c'est peut-être une classe où il y a moins de monde, par exemple, qu'après. C'est-à-dire que peut-être qu'après Poudlard, bah, les classes sont plus nombreuses. Je sais pas. Il y a peut-être un baby boom sorcier, hein. Mais ça, on sait pas. On peut le supposer. Molly dit un truc semblable, mais pour les mariages, et elle parle de la première guerre. Ouais, pour les mariages, je peux comprendre. Pour les enfants, je sais pas. Est-ce que.
Moi, j'ai l'impression que ça se. J'ai pas l'impression que dans l'histoire et dans la démographie du monde tel qu'on le connaît, je sais pas si c'est une donnée qui se vérifie. Est-ce que vraiment on fait des enfants pendant la guerre? J'ai l'impression qu'on en fait surtout après la guerre. C'était plus le fait d'avoir des enfants jeunes et pas le fait qu'il y ait beaucoup de naissances. Beaucoup de gens sont morts, donc peu de couples ont survécu. Et surtout, et ceux qui réussissent à survivre voulaient vivre et se sont dépêchés de vivre. Ouais, j'ai bien compris ton argument. Moi, je m'imaginais que tous les Gryffondors de l'année de Harry n'étaient pas cités. Bah, en tout cas, si, par exemple, le dortoir des garçons, on les connaît tous. Parce que, en gros... enfin, on peut... Je sais pas, hein. Moi j'ai l'impression que si. Après, on pourrait se dire, oui, mais ça se trouve, il y a un autre dortoir. Ça se trouve, il y a plusieurs dortoirs dans une classe, par exemple, les garçons d'une même classe sont peut-être répartis dans plusieurs dortoirs. Et pareil pour les filles. Mais j'ai l'impression que non, quand même. J'ai l'impression vraiment que les seuls garçons de la classe de Harry, c'est les mecs avec qui ils partagent son dortoir, quand même. C'est l'impression que ça donne. Parce que sinon, ça serait bizarre de pas... de pas citer plus de personnages que ça. L'urgence de s'aimer. J'ai un peu oublié de cette citation de Molly. Mais oui, doit y avoir de ça. Doit y avoir de ça. Mais par exemple, quand on prend la famille Weasley, c'est un exemple intéressant. Parce que Ron fait partie de la même génération de Harry. Mais par exemple, Fred et George sont nés pendant... ils sont tous nés pendant la guerre, pour moi. C'est une famille nombreuse, une famille qui s'est construite pendant la guerre. Et sans doute que la famille Weasley est pas un exemple unique hein, dans le monde des sorciers. Peut-être que les sorcières ont fait beaucoup d'enfants jeunes pendant la guerre aussi, hein, c'est possible. Après, pour moi, c'est plus des chambres communes et pas des dortoirs, comme c'est représenté dans Hogwarts Legacy. Pour moi, c'est quand même assez clair, en tout cas dans le livre, que y a Harry, Ron, Seamus, Dean et Neville. Ils sont 5, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien compté. Ils sont 5 et c'est les 5 garçons de la classe de Harry cette année-là. Hein. Et qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Bill, l'aîné des Weasley, est né à quel moment de la première guerre? On va regarder. Et peut-être... mais même Bill, en vrai. Attendez. Quiz. Quiz, n'importe quoi. Ouais, je dois avoir le wiki ouvert. Il est là. Bill. Bill Weasley. Il est né en 1970, et si on compare... Ah, apparemment j'ai cliqué sur un lien, fallait pas. Il y a mon antivirus qui est pas content. Ah bon? Et vous le voyez ça? Ok. Ouais, le wiki, je sais pas. 1970 et Voldemort. Si on regarde par rapport... J'ai dû cliquer sur une pub, je pense, c'est pour ça. Attendez, hop, je vais le mettre en plein écran. Voldemort, ta-ta-ta-ta-ta. Lui, il est né en 1926. Et du coup, en 1970, il en était où? Non, mais ça, on y est déjà. C'est sûr, hein. 1970, on va dire... ce qui est sûr, c'est qu'en 45... Il est né vraiment tôt en vrai. Hein. Parce que en 1945, il était déjà sorti de Poudlard. Donc même l'aîné. Toute la famille Weasley est née pendant la guerre. Ça c'est sûr. Oui, Dumbledore dit dans le chapitre 1 qu'il rappelle aux gens de prononcer le nom de Voldemort depuis 11 ans et Bill. Est né en 1970. Oui, moi aussi, je le vois comme ça, un dortoir par année. Oh oui, non, mais c'est pour moi, c'est sûr. En tout cas, dans le livre, c'est comme ça. Hein.
Dans la réalité, ce serait plutôt l'inverse pour les naissances. On parle bien de baby boom pour parler du taux élevé des naissances de l'époque d'après-guerre. Oui, oui, baby boom égale après-guerre. Ah ouais. Mais après, dans le monde de, du coup, dans le monde fictif de Harry Potter et de la communauté des sorciers, est-ce que la guerre a empêché les sorciers de faire des enfants? Ou en tout cas, est-ce que les sorciers ont fait moins d'enfants pendant la guerre? Sachant que la guerre, elle a, enfin, surtout la première, elle a duré longtemps, en vrai. Ça a duré super longtemps, le règne de Voldemort. Regardez, il est né en 1926. Et il a été... Il a disparu qu'en 1980. Ou 80, à chaque fois, j'ai un doute. Après Poudlard, Ascension au pouvoir. Le 31 octobre 1981. 81. Donc après son règne, il l'a fait au fur et à mesure. Il n'est pas devenu le Voldemort qui a terrorisé le monde entier dès sa sortie de Poudlard. Mais quand même, entre sa sortie de Poudlard en 45 et sa chute en 81, il s'en est passé des années quand même. Donc cette guerre, elle a été longue. Et la terreur, elle a duré longtemps. Et par exemple, la famille Weasley montre bien que la guerre n'a pas empêché des familles nombreuses de se créer. Après, est-ce que c'est un exemple isolé ou est-ce que... Ouais. En tout cas, c'est sûr que dans le monde réel, ça c'est sûr que la guerre égale chute démographique. Ça, c'est évident. Et fin de guerre égale baby boom plus de naissance. D'après le wiki, la première guerre des sorciers a commencé en 1970. Ah ouais, pas avant? Attendez, si on tape guerre. Oui, je suis sur la bonne scène. Guerre? Il y a un article sur la guerre des sorciers ou pas? Première guerre des sorciers. Ah ouais, 1970. Et la source, c'est le premier chapitre. Ah oui, avec le fameux 11 ans dont parle... Ok. Comme Dumbledore dit 11 ans, on peut en déduire que... Non. Si, parce qu'on est en 1981. S'il dit que ça fait 11 ans... Il demande au sorcier de l'appeler par son... Enfin, de citer son vrai nom, Voldemort. On en déduit que c'est 1970. Je pense que c'est ça, la source. Mais du coup, il a mis quand même longtemps. En fait, ça... Bon, c'est quand même une guerre qui a duré 11 ans. Hein. C'est quand même pas rien. Mais je voyais limite un début de règne et un début de guerre encore plus tôt que ça, moi, perso. Parce qu'en vrai, il était déjà grave vieux, en fait, Voldemort, quand la guerre s'est lancée. Et quand il a commencé à être craint et être connu du monde entier, par les sorciers. Enfin, du monde entier. On parle surtout du Royaume-Uni, en vrai. Après, pour nous, la guerre, c'est les gens qui partent pour le front, les villes sont désertes par les hommes. Chez les sorciers, la guerre n'est peut-être pas une question de front, donc les gens vivent encore ensemble. Oui, c'est ça. Et puis, limite... Oui, c'est ça, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de tranchées, de grosses guerres, de un clan contre un autre. C'est plus une guerre de terreur, en vrai. Et tout le monde recroquevillé chez soi. Et des sorciers qui, quand même, continuent de fonder des familles. Est-ce que la contraception existe chez les sorciers? Très bonne question, Swinfi. Ça, c'est une question de... d'after show. J'imagine que oui. J'espère quand même, parce que la communauté des magiques est quand même assez moyenâgeuse sur plusieurs aspects, on va pas se mentir, donc j'espère que sur ce thème là ils ont quand même un minimum de modernité, en tout cas déjà dans les années 90. Peut-être que pendant la guerre il y a eu plein de couples qui ont fait des bébés sorciers des bébés sorciers parce que l'ancien Scrimgeour l'avait demandé. Réarmement démographique oblige. Ouais, c'est ça, c'est le ministre de la magie de l'époque a dit il faut une armée de sorciers, il faut un réarmement démographique, faites des bébés. Et les Weasley, ils ont pris ça à la lettre. J'arrive pas à m'imaginer la première guerre des sorciers comme un conflit ouvert permanent. Les sorciers sont peu nombreux, j'imagine plus une lutte de l'ombre qui a moins d'impact sur le quotidien des sorciers qu'une guerre armée. Je suis complètement d'accord, ouais, c'est vrai. Et du coup... C'est vrai que ça pourrait être une limite de la comparaison avec le monde réel et les guerres telles qu'on les connaît. Et potentiellement, ça pourrait effectivement aller dans ton sens, professeur Song, d'une démographie qui n'est pas forcément impactée par la guerre chez les sorciers. Son ascension était déjà en cours peu avant les 5 ans de Remus. Pour moi,
Je sais pas, 1970, ça reste à prouver. Bon, même si ça commence vraiment qu'en 1970, le règne de Voldemort, ça fait quand même une guerre de 11 ans. Donc voilà, en 11 ans, je veux dire, c'est long quand même. Hein. Mais effectivement, on est plus sur une guerre de terreur, de long terme, presque une guerre froide, en fait, pour comparer avec le monde réel, encore une fois. Où on est dans la terreur, mais il n'y a pas vraiment de guerre avérée avec des millions de morts, quoi, d'un coup. Ok. Ok. Hop, je vais quitter le plein écran, je vais vous retrouver au chat ici. Non, c'était intéressant. Bah écoutez, de toute façon, il est... Ouais, j'ai fait un peu plus de 2 heures de stream à l'heure qu'il est. Et puis, il commence à se faire un petit peu tard. Mais c'était intéressant, j'ai bien aimé. Les petits recs YouTube et puis un petit bout sonore. Comme ça devient la tradition, j'aime bien en plus ça a donné la voix à Song qui est dans le chat, c'est cool. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens ne prononçaient pas son nom en 1970. Oui, c'est ça, c'est que du coup la source, c'est ce que dit Dumbledore. Alors après, est-ce que du coup le wiki lui en tire la conclusion que le début de la guerre c'est ça? C'est vrai qu'on peut remettre ça en question. Après, c'est dur de s'imaginer, c'est dur de parler de guerre, de s'imaginer une guerre, si le nom de Voldemort n'est pas connu. Donc je pense que l'un dans l'autre, on est quand même plus ou moins... c'est une approximation qui doit être assez correcte. Mais pour le coup, moi, là où je suis un peu étonné, c'est que j'imaginais le nom de Voldemort connu avant. Parce que 1900... Attendez, je fais un petit calcul vite fait. Il est né en 26. Ah, tu me diras, il avait que 44 ans. Non, c'est pas vieux, en vrai. C'est pas vieux. En gros, quand son nom a commencé à être connu par les sorciers, et que son nom a commencé à être craint, quand on l'a appelé celui dont on ne doit pas prononcer le nom, etc., et que ses mange-morts terrorisaient les sorciers au Royaume-Uni, Voldemort, il avait 44 ans. Mm-mm. Et ce qui est fou, par contre, c'est que il est mort à quel âge ? Il est mort en 98. Il est né en 26. Il est mort à 72 ans. Il est mort à 72 ans. En plus, c'est horrible parce que il voulait... il cherchait une vie immortelle. Et il a tout fait et tout avec les Horcruxes machin, c'était son truc quoi, il voulait être immortel. Alors qu'en vrai, pour un sorcier aussi puissant que lui, mourir à 72 ans, c'est nul. Ça peut paraître vieux, je vois Papy Voldy dans le chat, mais en vrai, pour un sorcier puissant qui cherche l'immortalité, c'est nul. Par exemple, si on compare à Dumbledore, chez Dumbledore, est-ce qu'on arrive à dater sa date de naissance? Attendez, je regarde. Je sais pas si on la connaît vraiment. Est-ce qu'elle est précise? Ouais, elle est précise. 1881. Rita Skeeter écrit dans son livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore qu'Albus a presque 18 ans quand il quitte Poudlard en 1899. Ok, précis. Donc 1881, lui, Dumbledore, il meurt en 1997. Attendez. Quand on compare à Dumbledore, bah gros nulard en fait, Voldemort. 1997, attendez. Il avait 116 ans, Dumbledore. Et encore, je pense qu'il aurait pu vivre encore longtemps en vrai. Hein, parce que du coup, il était voué à mourir du fait du maléfice de l'Horcrux, de là-bas qu'il a enfilé au doigt et tout. Mais s'il n'était pas tombé dans ce piège-là, sans doute que Dumbledore aurait pu vivre encore bien, bien longtemps. Dans sa quête d'immortalité, il a vécu presque moitié moins qu'un bon sorcier de base. Ouais. Ouais, ouais, c'est l'ironie du truc. Après, ça reste marrant de s'imaginer ouais, qu'il avait 72, je crois. 72 ans, ça reste marrant à s'imaginer. Par exemple, avec Ralph Fiennes qui joue dans les films, bah, voilà, sachez que enfin, le Voldemort que Ralph Fiennes joue, il est censé avoir 72 ans.
Bon, après, du coup, son corps a pas du tout la part. Enfin, il a tellement bidouillé son âme et son corps. C'est un corps qu'il a retrouvé. Donc, c'est son âme qui a 72 ans, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quoi, ça reste quand même assez marrant. Ouais. Mais ouais, on a quand même des personnes. Enfin, je pense que Dumbledore, il aurait pu vivre encore bien longtemps. Parce que je crois qu'on évoque des personnages dans Harry Potter qui sont bien plus vieux que ça. Par exemple, il y a l'examinatrice là, des buses qui vient pour les buses à Poudlard. Et elle examine encore les élèves de 5e année. Alors que je crois qu'il est dit que c'était l'examinatrice de Dumbledore quand il était à Poudlard. Et là, t'es là en mode, mais elle a quel âge? Je sais pas si vous avez son nom, comment elle s'appelle? J'ai Tofty dans la tête, mais Tofty, je crois que c'est celui-là qui donne les cours de transplanage. En gros, chaque morceau d'âme de Voldemort a 9 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Marchbank, ouais, ça doit être ça. Ça me dit quelque chose en tout cas. Attendez, on regarde. Alors, c'est peut-être le nom anglais, non? Ah oui, Griselda Marchbank. Marchbank en français, je sais pas comment on dit. Elle est née avant 1882. Elle devait au moins avoir 17 ans lorsqu'elle examina Albus Dumbledore pour ses buses en 1899. Ouais, c'est ça. C'est que Albus, il a passé ses buses, on va dire, en 1900. En 1996, elle est encore examinatrice. Et donc ouais, même 1882, moi je pense pas qu'elle avait 17 ans quand elle a examiné Albus Dumbledore pour ses buses. Je pense qu'elle était, elle était plus vieille que ça. Tu deviens pas examinateur dès que tu sors de Poudlard, quoi. Ça me paraît un peu curieux. Mais du coup, elle a quel âge? Griselda Marchbank. Et en plus, ça se trouve, elle est encore vivante aujourd'hui. Hein. Ça se trouve, elle va tous nous enterrer, Griselda Marchbank. C'est une minuscule sorcière voûtée au visage chiridé qu'on le croit enveloppée de toiles d'araignée. Elle semble un peu sourde et parle en élevant la voix. Elle peut, hein, quand même. Hein. Elle peut. Hein. En tout cas, bravo, Maraudeur Fou, pour avoir trouvé. Je pense que c'est des gens forts qui examinent plutôt 35 ans. Ouais, je pense. Alors, attendez, vas-y, je fais un calcul. Attendez. On va partir du principe qu'elle avait 35 ans quand elle a examiné Dumbledore. Alors attendez. Il faut que je fasse. C'était en quelle année? 1899. Ok, donc faut que je fasse 1899. On dit 35. Moins 35. Et là, faut que je fasse. Donc ça voudrait dire qu'elle serait née genre vers 1864. Et dans le tome 5 pour les buses, si je dis pas de bêtises, on est en 1996. Si je dis pas de bêtises. Hein. Mais bon, on n'est pas vraiment une année près. Donc si je fais 1996, vous voyez pas ce que je fais, mais j'utilise la calculette. Ça voudrait dire que si elle a examiné Dumbledore à 35 ans, dans le tome 5, elle a 132 ans. Elle se porte bien, hein, et elle est toujours examinatrice. C'est plus du... Non, c'est pas plus. C'est quasiment le double de l'âge auquel Voldemort meurt. Donc par exemple, bah, Griselda, elle fout grave la misère à Voldemort. C'est la honte pour Voldemort, en vrai, au niveau de la longévité. Mais du coup, Voldemort qui veut pas dépendre d'un simple objet pour survivre, comme l'a fait Flamel avec la pierre philosophale, a eu tort, 72 ans contre 676 ans. Bah là, c'est sûr que Nicolas Flamel, il pète tous les records. C'est 676 ans, c'est acté, ça? Ah, peut-être avec les animaux fantastiques, on a pu dater.
Alors c'est pas... Alors le wiki arrive pas à dater exactement sa date de naissance apparemment. Donc je sais pas si on connaît vraiment son âge. Le wiki dit il est né avant 1326. Attendez, je vous montre. Avant 1326, mais il n'y a pas la source. On aura beaucoup parlé de Nicolas Flamel et de l'alchimie ce soir. Les thèmes se recoupent. Ouais, du coup, c'est pas trop sourcé. Ah, si, là. Il est né en France avant 1326. C'est dans le chapitre de Nicolas Flamel. Ok. Mais du coup, je sais pas exactement ce qui est dit dans le texte. Dans le premier tome. Après, moi, je comprends aussi que les Horcruxes soient un peu plus séduisants pour Voldemort que la pierre philosophale. Enfin, je comprends quand il dit de pas vouloir dépendre d'un seul objet. Je pense que pour lui, c'est de l'aliénation, en fait, la pierre philosophale. Et lui, il veut être immortel par lui-même, en fait. C'est pour ça que l'idée des Horcruxes est quelque chose de beaucoup plus séduisant. Et puis déjà, aussi, ne serait-ce que par le fait que des Horcruxes, il peut en avoir plusieurs. Et qu'il peut... Qui peut les choisir déjà, c'est son choix. Il choisit l'objet de valeur pour y insérer son âme, mais en plus, il peut multiplier ça quasiment à l'infini. Enfin, ça, on sait pas, mais en tout cas, lui, il décide de diviser son âme en 7 parce qu'en plus, c'est une espèce de symbolique comme ça qui lui plaît bien. Alors que bah, la pierre philosophale, c'est juste être dépendant d'un seul artefact, quoi. Donc, je comprends qu'il, dans sa cupidité, qu'il soit plus attiré par. Par les Horcruxes que la pierre philosophale, même si bah, une fois déchu quand il essaie d'attaquer Harry, enfin quand il perd contre Harry Potter, bon ça lui empêche pas que 10 ans plus tard il va chercher cette fameuse pierre philosophale quand même. Hein. Je veux dire, il a changé d'avis. Hein, dans le 1, Hermione lit le livre qui l'évoque en disant il va fêter son 666 à quelques années près. De quand date l'édition de livre que lit Hermione? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça a été écrit à quelle date? Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Bon, d'après le wiki francophone, on peut pas vraiment dater Nicolas Flamel, mais enfin, dans tous les cas, c'est vrai que quand on compare l'expérience de Voldemort et Nicolas Flamel... Bah, s'il cherchait plutôt l'immortalité, ça aurait été peut-être plus efficace qu'il se la joue alchimiste tranquille dans son coin avec sa belle petite pierre. Ce qu'on sait pas, c'est quand même que Nicolas Flamel, il a peut-être... je sais pas, est-ce qu'il a vécu et avec sa femme est-ce qu'ils ont vécu une vie tranquille? Je sais pas, hein. Ils ont dû être traqués aussi. Hein. Franchement, j'en vis pas. Hein. J'en vis pas leur longue vie. Hein. Et puis Harry Potter explique de toute façon que la vie n'a un sens que parce que... Pernell, ouais, c'est ça. Ouais. La vie n'a un sens que parce qu'elle a une fin. Une vie sans fin n'a pas de sens. Ça fait beaucoup de calculs pour une seule soirée. Ouais, c'était cérébral ce soir. C'était cérébral. Quitte à tuer, il aurait dû aller chercher Flamel, le tuer, bam, il lui vole son caillou, et voilà, t'es immortel. Ouais, t'es immortel tant que t'as la pierre. Mais je pense aussi, mais ça c'est un truc qu'on sait pas parce que c'est hors champ quoi. La discussion par exemple entre Dumbledore et Nicolas Flamel et la décision de Nicolas Flamel et de Pernell, c'est ça hein? Ouais, et de Pernell pour détruire la pierre et donc mourir. On sait pas trop les tenants et les aboutissants de cette discussion et du débat qu'il y a eu. Mais je pense qu'à un moment donné, quand t'as 600 ans, 700 ans, même si t'es en vie en soi, est-ce que tu te viens pas une espèce de fantôme à un moment donné? Est-ce que tu viens pas plus que l'image fade du mortel que t'étais, en fait? Et je pense pas que tu puisses rester vraiment à ton prime en vivant même grâce à la pierre philosophale. Je pense que c'est une espèce de demi-vie. Et je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que la décision ait été très difficile pour Nicolas Flamel et Pernell, en fait. Parce que peut-être qu'ils voyaient aussi des décrépitudes dans leur existence. Et que le fait que
leur outil de survie soit en plus menacé par des mages noirs comme Voldemort qui veulent l'utiliser pour faire régner du coup le mal absolu dans la communauté des sorciers. Je pense que ça a été peut-être l'élément déclencheur pour dire ouais ok, il est peut-être temps pour nous de partir. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, ça serait passionnant d'avoir cette scène entre Dumbledore et Nicolas Flamel. Dumbledore qui explique le contexte et tout à Nicolas Flamel, machin. En plus, surtout que faut pas oublier que rien qu'au début de l'histoire, hein, si Hagrid il va chercher la pierre philosophale à Gringotts, c'est parce que la pierre est menacée, quoi. Et que Gringotts est pas considéré, en tout cas pas pour Dumbledore et surtout. Et on peut le suggérer que Nicolas Flamel partage le même avis, la même opinion. La pierre est menacée de toute façon dès le départ. Mais moi, je pense que la pierre a peut-être toujours été menacée aussi. C'est ça le truc. L'histoire commence avec le tome 1, mais peut-être en 600 ans, 700 ans d'existence, il a dû batailler Nicolas Flamel pour pas se faire voler la pierre et tout. Ce qui est fou, c'est qu'en 600 ans d'existence, je me demande s'il a vraiment vu une évolution de sa société comparée au monde moldu qui aurait changé du tout au tout en 600 ans. Ça, c'est vrai que les sorciers sont un peu kéblo. C'est vrai, c'est vrai. J'en vis pas le fait de naître au 12e siècle. Moi non plus. Il est vrai. Dumbledore dit « La pierre donnait autant d'argent et permettait de vivre aussi longtemps qu'on le souhaitait. » Les deux choses que les humains désirent le plus au monde, l'ennui, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. C'est si juste, carrément. Carrément. Et si bien que du coup, je pense pas que du coup l'idéal recherché par Nicolas Flamel soit l'idéal de Dumbledore. Il l'a été à l'époque de Grindelwald. Mais je pense pas, par exemple... Enfin, je pense que Dumbledore se diffère de Nicolas Flamel sur ce point. Dumbledore est pas du genre à vénérer la pierre philosophale. Je pense qu'il la protège pour Nicolas Flamel parce que c'est son vieil ami. Je les imagine très proches. Mais je pense que Dumbledore protège la pierre pour Nicolas Flamel, mais il protège pas la pierre pour ce qu'elle est en vrai. Parce que je pense que pour Dumbledore, la pierre, c'est un objet du mal, en fait. C'est un objet de l'illusion, un peu comme les reliques de la mort le sont. C'est l'illusion du bonheur caché sous une promesse de vie immortelle, alors que ça n'a aucun sens. Donc voilà. Oh, c'était deep hein, ce soir. C'était cool la vidéo. On regardera peut-être la deuxième partie dimanche prochain. Je sais pas ce que vous en pensez. La deuxième partie de la vidéo de Mysteria sur l'analyse sous le prisme justement de la de j'allais dire de la philosophie, non, de l'alchimie, voilà. C'est intéressant, je trouve que comme toute analyse, hein, ça a ses limites, mais c'est en tout cas intéressant aussi, puis en plus c'est bien fait. Donc au minimum c'est divertissant et intéressant à regarder, et c'est quand même déjà pas mal du tout. Et moi je vais vous quitter sur ce stream pour ce soir. Je pense que de toute façon il y en a pas mal d'entre vous qui sont partis dodo. Je pense qu'il y en a là, parmi ceux qui sont toujours là, je pense que... Il y en a qui sont déjà dans le monde des rêves, je pense. Je sais que vous vous endormez en écoutant le podcast, je suis sûr que vous vous endormez aussi devant le stream. Ça, j'en suis persuadé. Est-ce que vous êtes passé chercher vos lettres moldues dernièrement ? Non, c'est horrible. Quand c'est Ilo, on y va cette semaine, ça fait super longtemps. On fera un petit post sur les réseaux, on va prendre en photo ce qu'on a. Mais ouais, il faut vraiment qu'on y aille. On a abusé là. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé dans notre boîte aux lettres. Ce n'est pas une autre boîte à lettres personnelle. Vous comprenez bien, c'est une boîte à lettres extérieure. Là, il faut qu'on y aille cette semaine. Donc voilà. Je suis couché, moi. Ouais, j'imagine. Bah écoutez, bonne nuit à tous et à toutes. Bonne semaine. N'hésitez pas à faire vos retours sur le dernier chapitre sorti si vous ne l'avez pas écouté et que vous êtes... plus ou moins à jour, voilà. On reste en contact sur le Discord, sur les réseaux et tout. Donc voilà, on se dit à bientôt en podcast ou en after show avec la présence de Marina ou bien la présence solo de moi-même
de votre serviteur sur le stream 9¾. Ça sera bien sûr dimanche prochain, même heure, hein, 20h30. C'est le rendez-vous classique maintenant. Bonne nuit à tous, bonne semaine, bon courage à ceux qui bossent et tout. Et à bientôt, et du coup, au plus tard, à dimanche prochain pour le stream 9¾. Bisous, bisous tout le monde, bisous.